Bonsoir, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur OTP, la NFL semaine numéro 5 déjà qui commence et c'est une super week qui vous attend sur OTP, non pas un, non pas deux, non pas trois soirs, non pas une, deux, trois soirées de NFL, mais bel et bien trois. Ça ne veut rien dire, je suis archi chaud aujourd'hui, c'est plutôt pas mal, merci Carnage, je t'ai entendu me flame dans ton mental, mais en tout cas on espère que votre journée se passe bien. On est mercredi, donc normalement ça rentre du taf, ça rentre de peu importe ce que vous étiez en train de faire, et on espère que ça s'est bien passé ce soir. On s'occupe de vous distraire le pré-show, allez vite que je perde la parole. Traitons Shrik qui vont m'accompagner sur ce plateau. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ça va ? Vous avez kiffé l'intro, c'était cool ? Ouais, c'était jusqu'à 3, ouais, c'est pas mal. Ah, je suis plutôt chaud. Hein. Alors, comment ça va ? Quelles sont les nouvelles ? Tu peux raconter ce que t'as fait cet après-midi ou pas ? Une espèce de merde. Ouais, j'ai utilisé son buzz pour avoir un peu plus de buzz et ensuite j'ai perdu. Donc finalement, le karma m'a frappé. Tu peux raconter ? Bah, il a mis en titre « Ouais les gars, on va tryharder tout pour dépasser Triton en solo queue et slay tous les challengers. Ouais. » Résultat, j'ai fait full win et moi je suis chal. Il a probablement fait full lose. Non. Et... Quelques victoires, quelques défaites, mais les Chals étaient en face de moi et ont plombé mes masters. Voilà. Ah, ok. Ah, pas de chance. Pas de problème, j'imagine. Merci Sten de m'avoir fait gagner une game. T'étais red side, j'imagine. Non, j'étais blue side, justement. Ah. Léona est broken. Jouer Léona, les amis. Mais j'ai vu ton historique. Depuis quand t'as une Léona ? Je l'ai joué en compétitif il y a 4 ans. Mais c'est des champions faciles. Vrai ou faux ? Vrai. Ouais, mais c'est des champions super simples, gros. C'est pas des jouer Léona Nautilus, c'est donné à tout le monde si tu es bon au jeu. Mais mettrait-on, tout le monde le sait que Léona, c'est fort. Ouais, mais là c'est vraiment fort quand même. Ouais, mais tout le monde le sait. Ouais, mais quand même, c'est vraiment très très fort. En solo queue, les gars, allez-y, spammez, c'est gratuit. En fait, je viens de me rendre compte. J'ai l'impression que c'est toi qui viens de te rendre compte oui. À quel point c'est fort. Oui. Mais en fait, le monde sait déjà. Oui. D'accord. Oui. Mais bon, je dis au monde. Tu vas parler de Warmog aussi. Mais moi, en fait, le problème, c'est qu'en fait, j'étais en hard mode avec Bard. Et là, j'ai joué Nautilus et Léona, c'est trop facile. Bah. Je sors le hard mode et c'est bon, c'est skyrocket maintenant. Après, je vais prendre un karma et je vais faire une chain lose, mais tranquille. Probablement, mais commentateur professionnel, Triton, tu les vois, ces champions, dans les games que tu commentes. Mais en solo queue, go, tout droit. Mmh. Léona, encore plus que Nautilus. Léona, et lui, pareil, lui, Brand, réel. C'est le train. Réel. Une semaine avant d'être nerf. Une semaine avant le nerf, très bien, messieurs. Et t'as des LP, juste pour savoir, Chal et 700. 700, très bien. Bah, félicitations. Ce qui est bien, franchement. Oh, excuse. C'est IGM et tout. Oh, très bien, très bien. Bah, félicitations. Réel ? Pourquoi tu souffles ? Mais parce que ces games m'ont abattu, quoi. Ah, mais il faut survivre, Shrik. Ouais, bah on se. Et ouais. Toi, Twix ? Ah oui, Twix Master faire. Ou pas ? J'ai perdu 200 LP, les amis. Donc des deux. Attends, t'étais monté 200 LP Master ? Non, j'étais monté 100 LP et j'ai perdu 200 LP, donc là je suis quasiment des deux borderline. Ah merde. Ouais. T'as eu le Master ? Oui, c'est sûr, mais quand même un peu. Mais Loustrek, ça arrive, hein, c'est ce qui se passe. On a toujours plus de 60% de win rate. Tout va bien, les amis. Je vous regarde de tout en bas. Allez, place au récap maintenant qu'on a raconté nos vies. Dernière journée en date de LFL, les 5 derniers matchs qui ont été joués. TDS Bekarog, que j'ai défini comme étant le match de la semaine dernière, mon cher Traitant. Ouais, parce qu'il était assez fou en effet. Le comeback, on ne voyait pas forcément venir du côté de TDS. Ils ont réussi à revenir d'abord sur un premier plus ou moins scro baron nashor du côté de BKR. Après, ils ont un petit peu overchase. BKR n'a pas réussi à tuer le match. Et du coup, Team Jut, petit à petit, ont réussi à revenir avec une botlane Inax Marlon qui a super bien joué. Marlon que j'ai trouvé 1% dans les engages. Et du coup, TDS arrive à arracher une victoire contre quand même un Becker qui fait une semaine en 0-2. Attention. Ouais, attention, ils vont être dans le match d'intro aujourd'hui d'ailleurs. Mate Aegis, Mate version ultime en cas d'urgence, faites jouer des tanks à Ragnar. Et pourtant, ils ont sorti la spéciale Brand Action. Ça n'a pas fonctionné du tout. Et je pense que toutes les équipes s'y attendent maintenant. Mais Aegis, on les attendait plus fort. Mais c'est surtout Mate qui m'ont surpris parce que 10 000 gold d'avance à 17 minutes de jeu. Ragnar, dont justement on critiquait un peu, qui n'était pas forcément en forme, d'excellentes performances. Les mates sont comme une pièce. Comme une pièce, très bien. Game Ward Géo, Traiton. Ouais, le Game Ward Géo qui était intéressant, franchement, la popie de Prime, j'ai beaucoup aimé en early game. Mais après, dans le scaling, ça n'a pas eu tout fonctionné. C'est Game Ward qui vient abattre les Géo. Pourquoi ? Parce que sur la mid lane, il y a eu un gap monumental, c'est-à-dire que Dajor a run down et Peng a été juste trop fort après pour le coup. Dajor
connaissais juste pas très, très bien les clés du match-up. Il y a eu des trucs qui sont mal passés en mid-game, donc je suis un peu méchant en disant ça. Mais on pourrait juste s'arrêter en disant que Peng est le GOAT de cette LFL en mid-game. Absolument, le joueur star des Game Awards. Des Game Awards, donc qui. Bah, vous allez voir au niveau du classement, on va pas mal en parler pardon, du classement aujourd'hui. On y revient dans quelques instants. Solari KC Blue, un match classique qui n'est pas un classico. Bah pour le coup là on a juste le score de Kaliste devant nous, 11-0 avec Caitlyn, des one shots à tout bout de va et franchement. Bah, il y a eu un gap dans cette game, c'était pas la Solari qu'on attendait évidemment, mais surtout la KCB qu'on attendait. Vraiment, quand j'ai vu la composition, je me suis dit, oh, c'était quand même arrogant parce que Caitlyn fonctionne pas trop. Ne pas laisser Caitlyn et Nautilus bah, oui. à Kaliste et Fléchis, c'est l'enseignement de la semaine passée. Et je pense on pourrait s'arrêter à ne pas laisser Nautilus à Fléchis. C'est le meilleur support de la FL sur ce champion, vraiment, faut le retirer. Ouais, belle conclusion. Et on avait terminé avec Vita BDS Academy. Avec des BDS qui, ma foi, confirment, mais sans être un minimum bousculé. Oui, ils sont relativement tranquilles dans les games, c'était un petit peu chaud, mais comme les deux games de la semaine passée, BDSA qui roule tranquillement avec un Ranker qui a ressorti la Harry et les compos à base de on prend un kill et on enchaîne, c'est ce qu'on le voit faire ici dans le teamfight. Ouais. Jaynax sur Vayne et sur Varus en top lane qui a été, je pense, le joueur le plus marquant de BDSA la semaine passée. On est d'accord, pas forcément le jungler le plus marquant de la semaine. Vous allez voir, j'ai le petit récap qui est prévu comme d'habitude. Mais le classement ici, BDS a cassé au top et le reste plus ou moins ex-aequo. On est à deux games d'écart et on va y revenir, on va reparler de ce classement et des tendances et de ce que ça veut nous dire. Parce qu'aujourd'hui, chers amis, c'est la dernière journée des matchs aller. Aujourd'hui, c'est la mi-saison, donc demain, ce sera l'occasion de faire un premier bilan de ce qui se passe et on va un petit peu commencer aujourd'hui avec les clés du classement. Et le fait que cette saison de LFL, en dehors du top 2, est extrêmement, extrêmement resserrée, à voir bien sûr ce que ça nous donne au niveau des matchs retour. Récap donc de la semaine dernière. Donc avant de passer à ton top 3, Téton. Et c'est chaud ce soir. Hein. Récap, Carnage, s'il te plaît. Merci. Merci beaucoup. Moi, je suis chaud. Je ne sais pas pourquoi je bafouille. C'est les 100 LP perdus. Merci, Carnage. Oh c'est cool. Pourquoi au nom les joueurs de la semaine, il va être content. Bah oui, les joueurs de la semaine, parce que ces deux Caitlyn ont été incroyables. Et les affiches n'étaient pas forcément des easy modes non plus pour la KC Blue. Non, mais c'est mérité. Puis il a joué Caitlyn dans Jinx deux fois, ça a bien fonctionné contre des Jinx first pick qui n'avaient pas trop de counter et il a montré qu'avec Caitlyn, il pouvait faire très très mal, donc reste pas lui. Voilà. L'un des seuls. Vraiment, plus d'une vingtaine de kills, un DPM de fou. Enfin, genre, mais vraiment, il n'y avait pas de discussion. Le seul joueur qu'on avait mis juste derrière. C'est Jaynax. On a un tout petit peu hésité, mais en réalité, on a tranché avec Kaliste parce que vraiment les stats sont délirantes. L'équipe de la semaine, c'est BDSA. C'est l'équipe en 2-0 qui avait le planning le plus compliqué. Très justement récompensé là-dessus. Match de la semaine dernière, match clé TDS BK Rogue. Alors, les deux matchs de TDS ont été longs, tendus, spectaculaire. Qu'est-ce que tu veux ? Il ne fallait pas rester juste avec long et tendu comme adjectif. Mais TDS, de toute façon, la globalité de leurs matchs sont très intéressants et en termes de spectacle, ils mettent bien. En vrai, ouais, dans la défaite et dans la victoire. Ouais, pour toutes les équipes qui vont les affronter, c'est vraiment le traquenard. Alors, Nautilus, pourquoi on en parle de Nautilus ? Alors, vous voyez, 90% de présence, 4 victoires, 4 défaites, 1 ban. Vous allez me dire, bon, ouais, c'est pas dingo. Mais en fait, dans ces 90% de présence, pardon. Attention, Shrek. Attention. Il n'y a pas de ban, c'est ça ? Non, il n'y a quasiment que des... Picks. Presque. Blind. Oui. Quasiment que des blind picks. Quasiment systématiquement, Nautilus est récupéré en blind pick avec 90% de présence et un win rate à 50. C'est le pick fondamental de la méta botlane. Oui. Bah après, c'est réel en réponse tout le temps. Il n'y a rien à dire. Quoi. C'est toutes les équipes, toutes les ligues. Blind pick, Nautilus, B1, B2, B3. Tout le temps. Voilà. Bah oui, quelque chose à ajouter, Tréton, sur non, c'est crackbroken. Nautilus, Leonarel, la Trinité, et tu peux en sortir en piquant du bro, mais Nautilus est le meilleur blind dans ces champions-là, avec, je pense, Rell, ouais. Qui sont les deux meilleurs. Donc, c'est juste les bons joueurs de Nautilus, on les voit, et il y en a pas mal en LFL. Voilà, en ce moment, grosso modo, jouez pas autre chose que ces trois champions-là, Nautilus, Rell, Leona, et éventuellement déborder un petit peu sur le reste, mais jouez pas des enchanteurs. C'est la règle, bien entendu, à appliquer, sauf si vous jouez Janna. Et évidemment, pour tilter tous ces champions en engage. N'est-ce pas, Tréton ? Oui, ça pète bien les couilles. Mais après, en solo queue, vous jouez en chanteur, vous pouvez être nul à chier et vous allez monter. Oui ! Oui ! Oui, j'ai eu l'occasion de le voir tout à l'heure. T'as solo queue, ça ? Non, les trois solo queue.
Ah, très bien. Chana OTP. La stat de la semaine, les amis, on va rester un petit peu dessus puisqu'on va parler de diversité de champions aujourd'hui dans l'introduction de ce pré-show. La stat de la semaine, c'est 13 champions uniques joués en top lane, ce qui est beaucoup car il faut remonter à 2020 pour retrouver une telle variété de champions sur un patch. Il faut remonter en 2020 en LFL, bien entendu, sur un patch. Je précise. Hein ? Sur un patch, c'est pas depuis le début de la LFL. Ah, non, sur un patch. Donc là, ça veut sur dire... Un patch d'activité. C'est quoi, ça fait 3-4 jours de patch ? Je sais même pas. Généralement, un patch, c'est entre 2 et 3 semaines. Ah, mais c'est vrai, je pense qu'on est sur la 3e semaine. Il y en a 13 différences, c'est beaucoup. Hein. Sauf que top lane, ça peut être vite bloqué, en règle générale. Mm-hmm. Et là, j'avoue qu'il y a pas mal de choses ouvertes. Et bah, forcément, le champion de boule, par exemple, de Genax, quand tu piques des Varus, des Vayne, ça montre qu'il y a beaucoup de choses faisables. Alors, il faut remonter à 2020 en LFL. Et donc, justement... T'étais ou pas ? On va remonter à 2020. T'étais en 2020 LFL ? T'étais pas top lane de toute façon. Non, j'ai fait la première année, moi. J'ai pas fait la deuxième. Donc non, en 2020. T'étais pas en top lane quoi qu'il arrive. Mais mesdames et messieurs, retournons rapidement dans le passé. Qu'est-ce que ça donnait en 2020 lorsqu'on avait cette diversité sur la top lane ? Eh bien, réponse en images directement avec déjà des noms. Des noms, les amis. Alors, vous allez voir qu'il n'y a que 8 joueurs, traitons. Oui, parce qu'il y avait que 8 équipes à l'époque. Donc forcément, 8 joueurs, c'est jusque-là assez logique. Qatar et tout, ouais, c'est vrai. Il n'y a donc qu'un seul top laner qui était présent à l'époque, qui est encore présent. Salut à tous. Ouais, Agressivo s'est barré. À peu près, Agressivo, il est à peu près, à un split près. Exactement. Le reste, c'est des entités. Hein. On avait beaucoup de joueurs français. Les antiquités aussi. C'est vrai. En top lane, je sais même pas si on a... Color, il est quelle nationalité ? Il n'était pas français. Ouais, ça, c'est il n'était pas français, non. Non, Color n'était pas français. Et vous remarquerez qu'il n'y a que 3 équipes, 4 équipes, pardon, qui étaient présentes à l'époque, qui sont encore présentes aujourd'hui. Alors, Vitality, Solari... Ah, mais attends, Géo, c'est plus Géo. Kaymord et Géo. Ouais, quelque part, t'as pas tort. C'est un changement de logo, quoi. Non, mais... On a enlevé les petits points dans le haut, tout simplement. Misfit aussi, on en a pas beaucoup parlé, mais c'était une équipe de... Parce qu'on a beaucoup dialogué sur... épilogué sur LDLC, à raison. Ouais. Mais Misfit aussi a fait beaucoup de choses dans la Fallon. Absolument, absolument. Et au niveau des champions, donc, messieurs, quelque chose vous marque particulièrement ? Bah, pour moi, c'était Illaoi, mais bon. Pour moi, c'était une champion de cœur en fait. C'est OTP, Bando, c'était GP. On avait chez mec qui jouait beaucoup Shogat. C'est Kazé, il jouait beaucoup Kled. C'est pas vraiment le méta. C'était juste, je suis fort sur champion. Venez, on le joue, lol. Exactement. Et aussi, il n'y avait pas de Kassanté. Poppy pour Vince. Ah, oui, c'est vrai. Bah, il n'y a pas Kassanté, il n'y a pas Skarner, ouais. Forcément. Voilà. Exactement. Donc c'est effrayant, il n'y a pas de Camille aussi. Alors qu'à l'époque, je pense que c'était fort. Tu vois. Alors là, on parle des champions un peu signature off-meta. Hein. C'est ceux-là qui sont, qui sont un petit peu montrés là-dessus. Ce n'est pas forcément que les champions qui dominaient la méta, même si GP, je me souviens, à l'époque, était quand même très très costaud. Oui, très costaud. Celui qui me manque dans toute cette liste. C'est Qatar Gragas ? Non. Non ? Non, mais un champion, ce n'est pas un joueur. Ah. Et c'est 7. Je trouve que 7 est giga spectaculaire et c'est quand il est dans la méta et qu'il est flexible en top et en support, je trouve que c'est grave cool à suivre. Tu sais que 7 est assez fort en ce moment, Ray. Mais je pense qu'en support, au passage, vu les champions qui sont là, peut-être que c'est un petit peu jouable et top lane, je ne saurais pas dire c'est fort ou non. 7 est fort, a été buffé en jungle et jouable en support. Et donc voilà, j'ouvre la fenêtre, mais en réalité, c'est un champion qui est plutôt populaire sur certains ladders. Mais on aura l'occasion d'y revenir. Il est populaire notamment sur le ladder chinois. Et ça me fait une transition parfaite puisqu'on va parler de LPL. Parce qu'on parle de diversité de champions. Et je me posais la question, comme tout le monde se pose la question aussi, qu'est-ce que ça donne la Fearless Draft en termes de diversité de champions ? Alors je rappelle ce qu'est la Fearless Draft. Il y a plusieurs formules, mais la formule que j'évoque ici, c'est durant une série, donc BO3 ou BO5, une équipe ne peut pas prendre un champion plus d'une fois. On parle de la propre sélection de l'équipe, pas de la champion pool présente dans le BO entre les deux équipes. C'est-à-dire, si tu prends Corki Game 1, tu n'auras plus Corki Game 2, tu n'auras plus Corki Game 3. C'est ça, la Fearless Draft. Et donc, ça a été installé pour apporter un petit peu de piquant, en quelque sorte, aux séries. Et la LPL, qui est actuellement dans un demi-split de Summer Placement, où il y a des phases de groupe, etc. La LPL est donc la première région majeure à expérimenter sur ce patch. Le bilan, alors vous allez le voir, la Fearless Draft, la fameuse, c'est l'avant-dernière ligne que vous voyez ici, le patch 14.10, et donc 82 champions uniques en 66 games joués. Et pour revenir à un échantillon
équivalent. Il faut remonter en saison 12, donc au patch 12.10. Vous avez 83 champions uniques pour 63 games. Globalement, actuellement, ça a l'air de bien fonctionner. Ouais, c'est logique. Mais c'est pas sûr encore. Ça fonctionne un petit peu et c'est logique de toute façon que ça marche. Après, est-ce que j'ai du mal à me faire un avis personnellement dessus ? Pour l'instant, ça n'a vraiment pas dépassé. Mais pour le coup, ce serait étonnant même que ça ne marche pas. Alors, pour le moment, encore une fois, on est vraiment sur un ratio qui est équivalent à ce qu'on a déjà vu dans le passé. Mais je me permettrai de rappeler qu'on est en format de BO3. Et donc, la Fearless Draft prend toute son ampleur dans les formats de BO5. C'est-à-dire, plus on joue de game, plus on est forcé. Ah, ils l'ont aussi en BO5, pas que ce soit régulier. Bah, logiquement, c'est BO5 aussi pour la Fearless. J'en sais rien, mais c'est... Parce que BO5 en Fearless, ça peut partir en cacahuète. Hein. Oui. Et c'est que l'équipe gagnante ou c'est toutes les deux équipes ? Les deux équipes. Tu peux pas rejouer deux fois le même champion. Pas rejouer deux fois le même champion. Parce qu'il y a une Fearless où c'est seulement l'équipe qui gagne. Oui, je sais, plusieurs modes. Ouais. Mais là, tu peux juste pas jouer deux fois le même champion. En bas. Bah, en BO5, ça va partir en sucette. Je n'ai pas d'avis dessus, je ne sais pas quoi dire. Mais en tout cas, peut-être que pour le spectacle, c'est bien. Ok, cool. Bah non, mais autre, je ne me rends pas compte, parce que quand même, compétitivement, je sais qu'ils veulent le faire sur la compétition inter. Du coup, il n'y a que la LPL là qui le fait pour le moment. Les Worlds, ça va leur donner quoi ? Est-ce que la LPL se traiterait bien pour les Worlds ? Je pense pas, du coup. C'est pour ça que je le mentionne, c'est parce que c'est un truc qui va certainement arriver chez nous. Ouais, pour l'année prochaine. Mais pour cette année, du coup, la LPL, je sais pas si. Moi, je suis une équipe de LPL, je suis un genre de LPL, je suis pas très content, quoi. Parce que j'ai l'impression de devoir tryhard ou de train des trucs qui vont me servir à rien pour les Worlds, alors que bah, normalement, je touche la méta, parce que c'est comme ça que ça marche. Quoi. Je suis plus optimiste, je pense que ça te permet d'ouvrir justement tes horizons à des pics que tu n'aurais pas testé si tu avais été bloqué en dehors de Fearless, tu vois. Et de voir qu'il y a certains champions qui sont peut-être extrêmement bons dans certaines situations, que tu n'aurais pas eu joué, sinon tu aurais joué Leona, Nautilus, Red, toutes les games. Après, ça fait trois champions, donc en théorie, trois parties, là, ce que tu viens de citer. Bah non, parce que tu m'as dit que s'il y a Leona d'un côté et Nautilus de l'autre, les deux équipes peuvent plus jouer les deux. Non, c'est juste toi. Ouais, c'est juste toi, d'accord. Donc en gros, il peut y avoir Red Nautilus. Si tu as sélectionné toi, tu peux pas le rejouer. Eh bien, BO5. J'ai expliqué au début. Hein. BO5, moi j'ai pas écouté. Non, mais c'est intéressant que Riot ait tenté des trucs et on verra ce que ça va donner. Mais je pense que quand tu testes trop de champions, ton niveau en équipe baisse grandement et ce n'est pas gagnant sur le long terme de mon point de vue. On verra. De toute manière, on est vraiment pour l'expérimentation et voilà. On teste des choses, au pire ça marche pas, on revient en arrière, ça, c'est pas un souci. Mais autant tenter, je suis plutôt d'accord là-dessus. Voilà pour la petite parenthèse et l'introduction de ce pré-show. Avant de passer maintenant au match du jour, mesdames et messieurs, bien sûr, Tréton vous a préparé son mythique top 3. Ouais, un petit top 3 de la semaine passée où il y a eu pas mal de plays intéressants. Je ne vais pas vous spoil le pseudo du joueur, mais le top 1, ce sera un play de Rell qui était vraiment impressionnant pour le coup parce qu'il était très très soudain et particulièrement bien joué. On vous laisse avec le top 3 de la semaine passée, c'est de suite. Engage frontal, mais le bluff ne prend pas. Kalis qui conserve ses sumes. Il est engagé, on tente l'exécution, mais 113 finalement perdra la vie. Ah, très bon ulti de Fléchy, on met les trappes pour que ça soit difficile pour Crazy. Oh, qui va capoter. Une petite auto de Kalis. Kalis est safe, il a encore sa clean. S'il est loin derrière, on va lâcher un kill pour Fléchy. Mais Mentor va entrer dans le fight et on est en train de les amener sur la Oriana qui va trouver une très bonne choco. Wow, personne à Bedague, le flanc qui est pixel perfect. Est-ce qu'on a potentiellement une fan game? Ils ont un buff Nashor, hein, l'a cassé. On est à 25 minutes, ils ont une wave au mid. Quel spectacle! Et non, ce portail est deny. Attention au cas santé gaming. Non, mais me dites, ok. En effet, il y a Zixi qui a un très bon passing, mais prime forcément avec la poppy. Bah oui. Après, il prend le hook, il a encore un flash prime. Il a un flash prime, il a un flash KO, c'est les dégâts de Jésus. Jésus qui force flash out ici. Jésus peut-il 1v1 Zixi? Ça n'a pas l'air évident, le flash in. Magnifique double kill arraché par Jésus. Il a ses stacks. Il a ses stacks sur Zixi. Il a barrière. Peut-il aussi gagner le 1v1? Oui, oui. Jésus, la barrière et le triple kill de Jésus. C'est bien ce qu'il fait, hein. Il y a un ultimate de Dajor qui va probablement partir pour essayer de couper un petit peu le fight en deux. On veut zoner Tinks. Ça va flip un maximum Tinks. Tinks sur le smite. On l'engage. Oh, yeah, c'est monstrueux. Triple stack, triple combo. C'est un véritable festival. Incroyable prime ici. Qui trouve le déclic. On était tous focus sur le baron Nashor. Est-ce que Tinks pouvait le voler ou non? Grande classe cette Red Storm la semaine dernière qui récupère donc le top 1 et le top 2 du top 3 de Tréton.
Bah, j'essaie incroyable. De pas mettre des trucs qui sont dans les mêmes games. Ouais. J'ai pas de règles pour plusieurs fois la même équipe ou quoi. Après, il y avait en mention honorable, il y avait d'autres règles. Il y avait celle de Parus, il y avait celle de Marlon qui avait fait des engages qui étaient cool, mais qui n'étaient pas aussi tranchantes que celle de Prime. Ouais, il y a que des supports dans tes trucs là. Bah, parce que pour le coup, les play drill. Après, tu vois, le play drill est beau, mais tu as un triple combo derrière aussi tout le monde. J'aurais pu mettre Dajor qui met le triple combo et tout. C'est juste que en fait, c'est lui qui déclenche le play, donc je le donne à lui. Mais... Très bien, très bien, très bien. Mais t'es un peu de favoritisme support, j'ai l'impression quand même. Donc, qu'est-ce que t'en penses? Totalement d'accord. Je crois que c'est les top laners qui sont très mal payés. C'est vrai. Parce que les mid laners, on en a beaucoup. Mm-hmm. Parce qu'il y a beaucoup, il y a eu beaucoup de personnes d'Azir, beaucoup de fois. Mais les top laners, force à vous. Ouais, ils n'ont pas de spell aussi spectaculaire. Passons au planning du jour, mesdames et messieurs, c'est parti. Et on va parler de classement, comme je vous le disais en introduction de ce pré-show. Le match d'introduction, donc, c'est ce Bekarok Game Ward. Oh. J'espère que des gens ont tenté, parce qu'il y a de quoi, très sincèrement. Aegis contre KC Blue. Attention, encore une fois, mais KC Blue extrêmement favori. Geo Solari également tendancieux ce match-là. BDSA Gentlemate, bien un peu dans la même veine que le KC Aegis en quelque sorte. Mais voyons voir, après ce qu'ont fait les mates la semaine dernière dans le dernier match, on peut avoir peut-être plus de surprises. Et on termine avec Vita TDS. C'est donc aux abeilles de terminer les matchs aller avec l'épine Team du Sud. C'est vraiment l'épine pour le coup, parce que tu sais, quand tu vas dans un match contre TDS, t'y vas pas pour 20 minutes, t'y vas pas pour 30, t'y vas pour minimum 40 minutes de bonheur avec la Team du Sud. Ouais, ça peut être un vrai banger ce dernier match. Après, j'avoue que le Geo Solari, personnellement, il m'aime. Ouais, avec les petits content et tout. Mais... Ouais, j'ai participé à un petit banter d'ailleurs, ils ont de très bonnes idées. Ils m'ont demandé de faire la voix du speaker. Vous savez, le speaker qui a fait l'introduction de Palmarès à Roland Garros 2017-2018. Vous avez vu ce truc-là? Oui, j'ai vu, mais j'ai pas écouté avec le son. Qui est légendaire, ouais. Ouais. Pardon, t'as dit quoi? J'ai pas écouté avec le son la vidéo, donc je sais pas ce qu'il y a. Ah, très bien. Bah, en fait, ils disent. Tu l'as vu, toi? Ils disent Solari, l'équipe qui joue le titre depuis. Et du coup, je fais toutes les années depuis la préhistoire. Tu fais ouais, pas les. Bah, je déteste Solari, donc je me suis permis de les flame un petit peu. Mais, Et lui, en plus, il a mis que des tops de la Red Storm. Bizarre, vous êtes un peu biaisé, c'est fine. Ah, écoute, on essaye. Enfin, non, on n'est pas biaisé, pardon. Excuse-moi, Tréton, c'est vrai qu'on devait pas en parler. Mon cher Carnage, on parle planning, hein, on parle pardon classement. Donc allons-y. Pourquoi je remets le classement visuel? C'est vraiment pour remettre en contexte ce qui est en train de se passer. Nous avons, mesdames et messieurs, une échappée de la KC Blue et de BDS Academy, et surtout, Tréton, Shriek, entre la 3e place et la 9e, il y a une partie. C'est vrai, ça. C'est vrai que c'est pas beaucoup. Bah, vu Becker a choqué un petit peu cette dernière semaine, c'était le top 3 normalement qui formait avec KCB et BDSA. Tout s'est vachement resserré. Et sachant que les playoffs, quasiment compte double, parce que maintenant, dès que tu es en playoff, tu en y es, ça va nous donner une fin de split très intéressante. Vous vous rendez compte, hein, de 3e à 9e, il y a une game. C'est-à-dire que cette semaine, étant donné que c'est une super week, il y a 3 matchs qui vont être joués. Si ça se trouve, TDS est 3e, Solari est dernier, enfin, on n'en sait rien. Aegis peut aussi grave remonter. Aegis peut remonter. S'ils font une semaine en 3-0 à Aegis, eh bien, ils sont littéralement 3-4. Il peut absolument tout se passer. Et peut-être que BDSA et KCB vont full choke et vont même pas faire les playoffs. C'est une éventualité, mais voilà, il faut quand même doser, je pense. Cela étant dit, vu qu'on termine les matchs aller aujourd'hui, on va commencer les matchs retour demain. Et donc, les matchs retour comptent plus pour les playoffs, etc. Donc les matchs retour sont encore plus importants. Effectivement. Je sais pas eu tout ça que j'avais en tête, mais effectivement, j'avais pas eu de dire ça. C'est juste que le match d'introduction, enfin, la journée d'introduction des matchs retour va être la même que la première journée de LFL. BDS cassé. BDS cassé, absolument. Fais ton travail. Il est bon, il est très très bon, Shriek. Donc voilà, c'était vraiment pour vous remettre dans le contexte. Il n'y a qu'une seule game entre top 3 et top 9 actuellement en LFL. Ce qui nous amène à parler naturellement de l'état de forme des équipes. Alors, bien sûr, la conclusion logique, c'est qu'il y a pas mal d'équipes qui sont en 1-1 ou qui font des semaines en une win, une lose de manière générale. C'est pour ça qu'on en arrive là. Sauf certaines, et parmi celles-ci, eh bien, voilà. On va parler des séries en cours, en quelque sorte. Et on va commencer par les séries de défaites. Alors, bah non, du coup. Parce que Solari et son. Ils n'ont pas fait 3 défaites d'affilée ? Bah, ils ont fait 1-1 semaine dernière. D'accord, mais je croyais que tu parlais de. En non, général. Non, non, non. On parle des Becker, séries en j'avoue. Cours. Et voilà, et de la série de Bekarok, donc. Alors, ces défaites. Voilà, semblent plutôt cohérentes en réalité. Bekarok étant une équipe de top 3, top 4. Oui. Ont perdu contre le top 2, mais. Mais
ont perdu contre TDS. Qui était top 10, top 10 à la fin en plus. Et quand tu vois la défaite avec plus de 5700 goals à 25 minutes, bon. Bah même la game contre 50 minutes. Même contre BDSA. C'est pas totalement honteux pour Becker. Après, il faut voir si mentalement ça les touche pas, quoi. C'est le seul truc. Bah, BDSA, ils ont fait un bon early game. Bon, ouais. KCB, ils se sont fait éclater, mais on se souvient de la game. C'était amusant. Et on s'est dit, ouais. Ou c'était, tu crois, c'est comme tu veux. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est plus que je m'inquiéterais pas pour eux, sauf si mentalement ça a été touché. Tant qu'ils gagnent ce soir. La dernière défaite en date, c'est celle de Team du Sud. Hein. Donc, en termes de planning, Vu que la douleur est maximisée. Toutes ces deux dernières journées, elle me snipe en solo queue. Je pense qu'il n'est pas trop mentalement touché, tu vois. Mais je connais un peu le personnage. Je ne pense pas qu'il en ait quelque chose à faire d'avoir perdu. On va voir, peut-être qu'on les aura en interview. Mais en tout cas, ils jouent contre Game World aujourd'hui. Ça peut être un match extrêmement piégeux pour les Bekarog. Série suivante, s'il te plaît, mon cher Carnage. On parle d'Aegis. Aegis qui eux par contre sont alors Goltif à 25 du coup 12 524, oui, contre Game Ward ça s'est mal passé. Alors ce qu'on remarque bien sûr, c'est qu'il y a deux sub 25 quand même dans les trois dernières défaites. Pour le coup, Aegis c'est beaucoup plus inquiétant, ouais. Par rapport aux bons qu'ils nous ont montré, ils se sont vraiment fait exterminer. Et Aegis, en plus, qui est en dernier, etc., va falloir garder le mental. T'as les deux joueurs coréens, je sais pas aussi comment ça se passe, évidemment, avec. Ça graine la solo queue, en tout cas. On se rapproche de l'up and down aussi. La solo queue, y a pas de souci. Et c'est vrai que pour les up and down, on commence à être en grande difficulté pour le boucler. Ouais, on est bien d'accord. Hein. Pour Aegis, c'est vraiment. Voilà, la sonnette d'alarme peut commencer à retentir vraiment dès aujourd'hui. Mais deux sub 25, ouais, c'est quand même monstrueux. BDS Academy, maintenant, qui sont de retour depuis leur défaite contre Aegis, justement. 4 wins d'affilée. Alors non, 3 actuellement. Des wins plutôt convaincantes, hein, très honnêtement. Bon, un early un peu shaky contre Bekerog, mais un sub 30 pour terminer le match. Ouais. L'accélération à 25, c'est là que c'est important. Et... Après, d'après Treton, il y a un monde où ils choquent et ils font pas les playoffs, tu sais, c'est tellement probable en vrai. Parce que tout ça a dit que tout était possible, du coup j'ai émis une théorie. Comme tu pourrais revenir en LFL. Bah, j'ai dit... Oh ouais. Au niveau du planning, voilà, c'est une des équipes du top. Pas de difficulté contre TDS, sub 30. Excuse-nous, Treton, c'était bien placé quand même, faut reconnaître. Suceur. En parlant de suceur, passons à Cassé Blue. Oh, la transi de fou. Vas-y, parle. La transi de fou. Passons à Cassé Blue parce que c'est la plus grande série en réalité active actuellement en LFL. Et celle-ci, elle est vraiment belle parce qu'il n'y a pas un point négatif en réalité. Elle est impressionnante de fou. Elle est contre des équipes qui jouent clairement les Goflands. Alors certes, il n'y a pas BDSA dans cette team-là, mais ils les jouent demain. Et surtout, ils sont grave convaincants dans la manière de jouer les games. Ils les dominent globalement de A à Z. Il y a BKGO Solary Mate, c'est quand même c'est vraiment moitié haute normalement. Non, c'est vraiment stylé. Ils se font rarement accrocher en mid-game, à part mettre qu'ils avaient à peine accroché. Et encore, en vrai de vrai, Cassé était large devant. Donc, juste, c'est l'équipe en forme du moment. De toute façon, la raison du classement, pourquoi elle est aussi hasardeuse, ce classement, c'est parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui choquent contre des équipes qui sont censées être plus faibles. Et donc, il y a tellement d'upsets chaque semaine. Les deux seules équipes qui ne se font pas upset, c'est BDSA et j'ai Cassé. Quoi. Donc, absolument. Ce sont les ténors de la LFL. Petite question, qui garde sa série en fin de Super Week, d'après vous? Que ce soit win ou lose. Tu vas me demander qui gagne entre KCB et BDSA. Et BDSA, quoi. Ah, que ce soit win ou lose, qui garde sa série? Ah, lose aussi, Aegis. Oui. Ok, très bien. Ça a été vite, hein. Pour le coup, ça a été super vite. Alors BDSA, je pense qu'ils gagneront. Ouais. BDSA garde sa série jusqu'à la fin. Très bien. Passons au pronostic maintenant. J'espère que c'est cohérent, un petit peu, vos pronos. J'ai hâte de voir pour le premier match. Ah! Les pronos de merde. Ah, il y a Chéo quand même. Bah, respect Chéo pour le coup. Je trouve que ça se tente vraiment ce Game 1 contre Bekerog, sincèrement. Je suis le seul à avoir été original, je crois. T'as Peng qui pourrait déboîter de Chekola, non, c'est possible. Bon, Cassé Aegis, j'avoue que la prise de risque est. Voilà, elle est élevée. Majorité de Géo contre Solary, je suis étonné. Moi, vraiment, j'ai par réflexion. Alors, certes, j'ai un petit peu peur de la mid lane pour Géo. Mais je trouvais la botlane des jeux super convaincante. Mmh. Et je pense que c'est le Solary est attaquable. Très bien. Donc par défaut, ça peut faire la différence. Allez, BDS over Mate et Vita over TDS, sauf pour Shriek et Twitter. Moi, Shriek, aujourd'hui, ça peut être une catastrophe. Non. Non, ça peut être une belle journée. Bah en non, vrai. Tu peux, mec, tu peux le faire. Hein. Tu peux upset sur le dernier match. Je trouve ça se tente, sincèrement. Ça se tente, mais il n'y a qu'un seul match, quoi. J'aurais dû mettre plus. Mais la dernière fois, j'ai tenté des trucs, ça s'est joué à. T'aurais dû faire le Aegis TDS Game Ward Mate. Tu veux que je finisse à combien de pourcents? Moins que moi. Ouais, bah ça va pas être difficile à mon avis. Je dirais 53 là.
Je suis à 57, donc nous sommes les lots de cette LFL. Merci beaucoup, messieurs, pour ce pré-show. On va se diriger maintenant vers le match d'introduction qui vous est commenté par Noah et Marek. Ce match d'introduction qui est, traitons Becker, Game Wars. On a vu les pronos il y a deux semaines. On ne sait jamais. Becker Rock contre Game Wars dans quelques instants. Et on vous laisse, comme d'habitude, avec le teaser du match de la semaine, début des matchs retour. C'est parti pour cette super week de LFL. Chez moi, on est la meilleure botlane de LFL. En tant qu'équipe, je pense que BDS sont loin d'être invincibles. Du coup, je pense qu'on a les ressources pour les battre. De la part de Fléchy, de l'autre côté, on essaye de zoner Mainter et le fight qui pour l'instant part en faveur de la cabine Corbeau. Double kill de Kaliste. Mainter, les ailes déployées qui vient sécuriser Tika qui se fait sniper. On est en train de les amener sur l'Oriana qui va trouver une très bonne choco. Personne n'a de dague, le flanc qui est fixé parfait. Ça se solde par une victoire de BDS Academy qui vont donc se maintenir numéro 1 de la ligue. Le tactique de Genax, il va aller chercher Kaliste sous la chaîne. We are working really hard to split to make it happen and go to finals and this time win the finals. Juste un reset, mais regardez qui est lui sur le côté qui est en train de taper Irek. Pendant ce temps-là, Spo juste une fois dans le game. Elle est présente, c'est celle de qui est lui. I think Flesh is a good player, but he plays against us. There's nothing he can do. We're gonna stomp them. Et Ricard qui va passer de son côté avec son flanking. Le charme est excellent. Et il est bien sûr suivi par Genax. Le flanking des deux carry, des deux solo leaders de BDS Academy qui pourra apporter la victoire. Avec un premier match Game Warp contre Becker Rock. Peng, Peng contre le monde. Peng contre le monde, tu l'as dit. Bonjour à tous, on est parti pour un sympathique match avec, mine de rien, deux équipes qui sont dans le milieu de tableau. Et comme ça a été dit dans le pré-show, il n'y a pas réellement de milieu de tableau car entre la 3ème place, la 8ème, 9ème place, égalité, il n'y a qu'un match. C'est très, très, très serré. Et on le rappelle, avec les EU Masters de fou qui arrivent, le top 6 être qualifié. Donc ces playoffs de LFL n'ont jamais été aussi importants pour toutes ces équipes, sachant que le temps file. Déjà 8 parties de jouer, tu l'as dit, Super Week avec 3 en plus qui vont être jouées cette semaine. On aura déjà un sacré tableau qui va se dessiner à l'issue des 3 jours. Ouais, un Becker Rock dans la tourmente après un très gros départ. Becker Rock, 3 défaites de suite, donc dans la difficulté. Je m'interroge beaucoup sur le match-up mid. On a un Peng en gigantesque forme, Chekolad qui s'est un peu fait skill check quelques fois. Voilà, notamment depuis qu'il a taunt son ancien frère avant de l'affronter sans presse. Le flash de Viego au niveau 3. C'est vrai que c'était une sacrée game. Les Game Warp qui vont partir sur quelque chose de simple et efficace. Un first pick Jinx.
très bonne ADC dans la méta, facile à intégrer à beaucoup de drafts, fort à plus ou moins tous les moments de la game. Jinx, en vrai, c'est du solide, mais la réponse en face, ça répond avec des éléments de teamfighting et d'engage parmi les meilleurs du jeu, surtout combinés ensemble. Maokai plus Rell, une très bonne prise pour les BKR. Ouais, la question c'est de savoir est-ce qu'il va y avoir un vol du Corki qui irait parfaitement sur la mid lane dans les mains de Checolade. Est-ce que Peng c'est un champion qu'il a envie de pratiquer? Il l'a pas encore fait. Donc on a pu se garder ça en dernière rotation du côté de BKROG. On est toujours en 14.11. Donc on n'a pas encore passé sur le nouveau patch. La Corée ce matin était passée sur 14.12. On a pu voir quelques petits changements, notamment une forte présence de Ezreal. Ouais. On avait qu'on a un petit peu vu en LEC aussi. Ouais, avec un grand Karzy. Karzy évidemment. Il fallait que ce soit lui qui le joue en premier. Ouais. Et c'est sympa voilà de voir un petit peu de changement au niveau de la méta, parce que c'est vrai que les ADC, moi j'aime bien appeler les ADC spéciaux comme Jhin, Ezreal, ce genre de carry. Graves. Kappa. Pas les auto-attaqueurs quoi. Voilà. On les voit. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu en botlane Graves. On les voit pas souvent et c'est sympa d'avoir les méta qui changent un petit peu. Surtout que là c'est complet, il y a quand même de l'hyper carry avec de la Jinx, mais pas pour autant de l'hyper carry Ardent, Lulu, etc. On le voit d'ailleurs ici, hein, le Nautilus, pick stable aussi, souvent récupéré contre elle. Bon, c'est un matchup qu'on voit très souvent. Au rôle de support, l'échange de ces deux champions. Et j'aime bien côté Gamer d'avoir récupéré ce Xin, parce que contre une compo qui hard engage et qui va venir vers toi, avoir un Xin vraiment qui peut se lancer instantanément tout seul et de manière indépendante avec son ulti sur la backline, ça a beaucoup de valeur en fait. Moi j'aime beaucoup, je trouve qu'il est pas trop draft Xin, mais je le trouve quand même très très bon ce champion. C'est un excellent couteau suisse, je te rejoins complètement. Après, moi je m'interroge beaucoup là, ce Corki qui est complètement passé en travers des mailles du filet, alors qu'on sait que Corki mid plus AP jungle et le Maokai Liandry, on peut le considérer comme un AP jungle, ça n'a pas été envisagé. Alors même si les deux midlaners l'ont pas encore pratiqué de la saison, c'est quand même un pick qui est au centre des débats dans toutes les régions du monde. Donc je me demande pourquoi cette impasse sur le champion. Alors peut-être qu'effectivement on ne veut pas le jouer d'ailleurs. Il semble que ce soit confirmé avec ce Wei qui est lock pour Checolade en blind. Et priorité notable sur l'Azeri du coup. Mais c'est vrai que pour l'instant la compo BKR est... C'est une compo contre laquelle t'as quand même Free Mercure, voire Free Rush de Magic Resist sur le top side, la mid lane et tout. Il y a un petit peu ce défaut là qui ressort de la compo qui en est un en réalité. Côté Game World, quelque chose d'un peu plus équilibré pour l'instant il semblerait. Ouais, il suffit de blind un Cassanté sur le top side, du côté de Pride, quelque chose dans le genre, et ça marchera très bien. Cette Nida, évidemment, on n'y croit pas avec ce Jhin, enfin ce Xin déjà lock. Vraiment Nida qui est peut-être la fausse bonne idée du moment. Ça demande un très grand niveau de maîtrise et de coordination, et ce sera bien un Cassanté Ben Pick. Et oui, pas trop d'enchanteurs en ce moment. Après, j'ai aujourd'hui vu la première Renata Warvog. Mm-hmm. C'est un petit aperçu. C'est quelque ça chose. J'ai du plus de mal à croire à une Lulu Warvog, mais sait-on jamais. Ça arrive. Et on aura un Aatrox qui, honnêtement, est très bon ici. Il y a beaucoup de mêlée. La range adverse n'est pas vraiment excessive. Il a son setup avec Rell Maokai. On en parlait, il fallait idéalement un champion AD en top lane. Honnêtement, ce Aatrox tombe à pic, j'ai envie de dire. Il y avait des inquiétudes concernant la compo BKR, enfin selon moi. Et ce Aatrox rend la compo vraiment excellente. Et là, on a deux bonnes drafts, honnêtement, de chaque côté. Rien de fou au niveau des pics, pas trop de nouveautés, mais une bonne préparation de chaque côté. Un beau combat a eu lieu en draft pour peut-être une magnifique game pour cette... première partie, il y en aura 15 cette semaine. Pour notre plus grand plaisir. J'aurais vraiment juste changé le Way de BKROG par un Corki. Et j'aurais trouvé vraiment la compo Pixel. Pas que Way soit un mauvais pick, mais je trouve que l'impasse sur le champion, je le trouve un petit peu particulier. Et bon, côté Game Ward, une compo classique. Tu mets cette compo. Personne ne sait si elle a été faite en 2023, en 2024, au spring, au summer. C'est vrai. On sait pas. N'importe quand, ça peut être la compo. Elle est pas si mal que ça. T'as vraiment le Nautilus qui va définir le focus. Avec derrière des champions qui burst et qui veulent un reset. Harry, Jinx. Enfin, c'est simple et efficace. Tout comme celle des BKR, même si elle est
assez différente avec un... Bon, j'allais dire un carry en top lane, mais bon, Cassanté coche peut-être aussi cette case, mais bon. Ouais. On va quand même dire que Aatrox est plutôt un carry en, en top lane vis-à-vis de ce qui se joue au top. Hein. Ça devrait partir sur un bon but de létalité. Quoique, il y a plusieurs options pour Aatrox, mais on voit encore beaucoup les hydres létalité et tout ça. Ouais, c'est des très éclipses. Très populaire sur Aatrox. Mais bon, moi, la compo, si j'ai pu refaire mon prono, j'aurais peut-être une Game Ward. Voilà. Je crois un peu plus dans la draft Game Ward. Un peu plus polyvalente, un peu plus explosive. Alors oui, on a de l'engage, mais Maokai et Rel. Alors Rel, ça peut être un engage explosif, hein, le flash, tempête magnétique, etc. Ça marche très bien. Maintenant, c'est vrai, tu l'as dit, le lock avec du burst pour reset pour Jinx et aussi pour Ahri, je trouve ça quand même assez fort. Ça donne aussi un rôle assez central à Peng, qui forcément, de mon point de vue, est pour l'instant le joueur qui s'est le plus démarqué chez Game Ward. Mm-hmm. Moi, j'aime bien les deux drafts, peut-être un peu plus celle des BKR. Après, c'est... Le problème, c'est Way, quoi. Ça rend les drafts en général plus durs à jouer, selon moi, que si t'as une Ahri, par exemple. Pareil pour le Aatrox, qui est plus dur à setup. En tout cas, on va voir ça dans un instant. Première game de cette Super Week Game Ward, c'est maintenant. Et pardonnez-moi de ne pas avoir fini ma phrase, c'est évidemment Game Ward contre BKR qui est joué ici maintenant. Mais pour ma défense, c'est la faute de Carnage qui m'a embrouillé dans mon casque au moment de lancer la game. T'as fait péter une pile à toute la régie, hein. Ils étaient démunis. Rentrer dans ce premier match, ça m'a mis extrêmement bien. Pas de rien, moi, c'est cadeau. Merci. La journée a commencé tôt, donc... Tout petit point embellit ma journée. Tu as toi-même commenté la LCK ce matin. Ah, j'ai vu des choses d'un autre monde, hein, pas forcément toujours dans le bon sens. Ah, tu m'en as parlé, j'ai bien aimé. J'ai regardé de loin, j'ai vu qu'il y avait eu quelques folies. Ah, surtout niveau méta avec les petits changements qui vont arriver en Europe aussi. Et je suis comme toi, je te rejoins. Genre, j'aime beaucoup voir Ez jouer. Je trouve que c'est un perso qui est très agréable à suivre et j'ai hâte qu'il pullule en LFL. Let's go. Alors l'invade avec un swap du coup et Rilek qui va prendre son Aatrox sous son bras et se barrer de là en vertical jungling. Et cette Zeri du coup, jouer Conqueror barrière, ils ont vraiment mis la prio dessus les BKR parce que ça a été... Ça a été pick très vite, tu l'avais souligné, plutôt que le Corki, etc. Donc, et c'est en samedi, on lui fait confiance en général. Donc je suis très curieux de voir comment ça va fonctionner dans la game. Oh, attention, se faire ramener sous tourelle du côté de Anterra qui est très très low HP ici. Pratt qui va peut-être prendre le kill, la folie. Qu'est-ce qu'il a fait Anterra? Comment se faire trouver dans cette situation? Il aura une vingtaine d'HP. Mais qu'est-ce qui s'est passé du côté d'Anterra? Et puis au moins il ne meurt pas. En plus, mais alors, c'est un des on aurait pu avoir un début de game catastrophique. C'est un des swap lanes les plus étranges que j'ai pu voir. C'est-à-dire, on swap lane, invade au top. Pendant qu'on a l'agression, le joli bump sur passage niveau 2. Et on a raté des spells du côté de Chocolat. Et la dernière auto-attaque, le kill récupéré, Zixi va se faire temporiser. J'ai même pas eu le temps de finir que les bizarreries continuent. Ah, il se passe beaucoup de choses. Hein. Mais Zixi, il y a un décalage. Il y va, bien sûr, il y va, niveau 2. Avec Olin qui est juste derrière. Zixi qui va essayer de partir. Il y a les renforts de Sidback. Il y a beaucoup de choses qui sont ratées. Double flash utilisé en tout. Et on va en rester là, on sauve les Corbins. J'ai même pas le temps d'énumérer vraiment toutes les dingueries qu'on vient de voir. Avec TP sur le topside. Attention, c'est risqué, ça Oleg pourrait se faire cancel, mais très bonne cover de Anterra. Il s'en passe des choses dans cette early game. Et Zixi qui attaque directement le red buff adverse. On soulignera tout de même le très bon play de Rilek hein, sur son Maokai. Il a direct cross, il allait prendre les Vrace. Et il a pris le root et le bump niveau 2 pour sécuriser le First Blood. Il s'en est passé des choses dans cette game. Commencer par cela. Ah ouais, c'était bien senti par Pride. Hein. Anterra qui s'est vraiment fait surprendre là-dessus et heureusement que Pride ne peut pas suivre. Anterra, il aurait été trop court avec son flash. Il s'est fait vraiment ultra bait. Alors, parce que, du coup, on a un invade de la duo lane au top. Sauf que Zixi a commencé bot side. Donc, c'est-à-dire, Zixi, il commence, il n'y a vraiment personne pour l'aider. Zixi, il se fait absolument tout décaler par tout le monde qui vient lui tomber dessus. Donc, il est obligé de faire un très grand tour.
Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais j'ai l'impression de façon parfaitement aléatoire. Mm-hmm. Puis après, on se doute pas, mais du côté de Peng, on se fait trianguler et on se fait gank du côté de Rilek, qui lui a pris son niveau 2, mais on l'a vu passer en plus Rilek, et on l'a vu partir et faire le trajet. C'est-à-dire que c'est comme si tout le monde avait un bandeau sur les yeux et était tombé un peu au hasard sur des ennemis. Oui. Alors on a parfois ce genre de scénario avec les swap lanes forcés. T'es renforcé par la TP d'Oling, tanké par Antera qui avait déjà utilisé son flash parce qu'il s'est fait brain au niveau 1 sous la tour. Au moins on s'embête pas, hein. Clairement. Bon, attention, Antera qui va prendre énormément de dégâts ici. Mathias qui avait des idées de kill. Et du coup, ce Atrof qui lui va être un petit peu plus freiné que le K-Santé. Je pense que le K-Santé a pris de l'XP au bot en solo. C'est un champion aussi qui a pas besoin d'autant de ressources que le Aatrox. Alors que lui, Oling doit partager l'XP, tout ça. Il a déjà perdu sa TP. Ça va peut-être être un peu plus délicat pour lui, mais bon. Dans un sens, Chocolat, lui, a eu le First Blood sur Wei. Ce qui est vraiment excellent. Et oui, mais du coup, on a Pride qui, lui, peut quand même farm en solo XP sous sa tour. Antera qui amène pas grand-chose sur le top side. Qui en plus du coup récupère moins d'XP que Pride. Là quand on a priori je pense bientôt cancel ce swap lane et repartir en bot side. Il y a probablement plein de raisons que je ne comprends pas. Mais j'ai du mal à imaginer toutes les implications du swap lane et comment c'est géré de chaque côté. Tout à fait. En tout cas la Zeri est mise dans de très bonnes conditions par les BKR. Regardez, on a ce setup de ward très très deep dans la jungle. Jungle Game Ward bien wardé sur la mid lane, c'est reparti. Peng qui n'a pas récupéré son flash, qui ne va pas prendre le stun. Dans tous les cas, il avait beaucoup de cover. Un bait aurait même été envisageable ici. C'est pas plus mal que Antera n'ait pas pu toucher son spell. Ouais, je suis bien d'accord. En plus, il y avait le passage niveau 6 de Peng sur ce creep là. Donc derrière, il pouvait actionner. Et je pense qu'on veut juste aider Checo à crash. Mais voilà, là je regarde le cas santé, il est revenu avec une TP au bot, au fait il est revenu direct au bot. Il a pris une côte épineuse, donc contre Zeri pour l'instant il est relativement ok pour farm, même s'il va payer un peu de ses points de vie, il va arriver à push et à crash jusqu'à la tour. Et en attendant, bah, le Aatrox il se prend farming divisé par deux. On récupère les Void Grubs. J'essaye toujours de mettre du sens sur ce qui se passe à l'écran. Ouais, la partie, le début de partie assez particulier. Et je tendance à être frustré quand je comprends pas, donc je suis souvent frustré dans la vie. Et je le suis un peu ici. Kirill qui va tout de même récupérer ce dragon. En tout cas, quelque chose de standard qui se produit ici. Petit trade Grubs contre Drake. Je n'ai d'ailleurs pas peur de dire que les Grubs sont complètement broken actuellement. En fait, selon moi, c'était très fort. Mais mon avis a évolué, c'est littéralement crack broken. Parce qu'en fait, à l'instant où c'est pris, ça donne déjà beaucoup trop. Ça donne même beaucoup plus, enfin ça donne plus en termes de gold, XP et tout. Alors que les Drakes sont complètement inutiles en fait, c'est... À part si tu as la soul, tu vois. Sachant qu'on voit aussi beaucoup de games où, au final, si on regarde le résultat, les souls sont pas toujours gagnantes. La value des grubs est juste plus élevée, plus rapide. Plus fiable. J'avais tendance à penser comme toi, maintenant les stats vont contre nous, Marex, mais je suis de ton bord. Mais voilà, les stats mentent, pas les hommes. Ouais, c'est à peu près ce qu'on dit. Et on est toujours en position de swap lane avec un éventuel gang de Rilek sur le top side. Il a son niveau 6 en poche. Oh, ça va tuer parce qu'il n'y a pas de ward. On n'a pas eu le temps de mettre l'emprise de la nature. Du côté de Rilek, on a préféré ne pas l'utiliser. On va survivre à ça avec juste une cleanse. Il y a peut-être quelque chose qui s'est mal passé sur la superposition de contrôle. Tout à fait. Et au final, malgré cette early kill avec le Maokai niveau 2, derrière, il ne s'est pas passé grand-chose. On est parti sur un scénario farming assez particulier comme tu l'as souligné, mais rien de plus en termes de kill. Avec tout de même, ce qui est notable, c'est le Wei qui a bien snowball, parce qu'il a même concrétisé ce first blood dans une belle avance de CS chez Collad. Ça a l'air d'être sa game. Attention par contre ici, Antera qui se fait catch, qui va pouvoir se repositionner, Oling qui va toucher la chaîne et qui va pouvoir reculer, arriver de Rilek ici. Ouais, mais ça n'ira pas plus loin. Ça nécessite 3 joueurs. Après la vague est
pas tellement bonne là pour les Game Awards. C'est en train de les forcer à prendre des positions désavantageuses, peut-être dangereuses. C'est pour ça que Zixi est en train d'arriver. Il n'y aura pas d'aide d'attente de Pain qui est en train de se faire chasser sous la tour. On décide avec l'emprise de la nature. On va essayer de tout mettre sur Nautilus, la méga des roquettes. On a décidé de turn sur Mathias et ça va être de mort avec un dernier coup d'épée. Flash de perdu en plus. Allez, c'est très difficile. Olin qui kite, qui respecte tout de même le Xin. Peng est là, hein. Peng est là, il est en train de décaler. Il a son ulti en poche. Zixi qui temporise, qui va absolument tout mettre sur Guinec, qui va prendre encore un kill. Xin open. Et. Zixi a trop bien joué. Ah là, il était free avec son Xin vraiment pour taper ce qu'il voulait. Côté Game War, c'était un petit peu plus délicat parce que Mathias a essayé de se réfugier derrière la ronce, tankée par Steelback. Mais il s'est pris à cause de la hitbox l'autre. On va revoir ces images là. Et derrière, il flash, mais se fait tout de même attraper. Bilan délicat, regardez, là il se la prend, c'est pas de bol. Hein. Ouais, c'est un peu unlucky. Voilà, on va dire derrière, que... il essaie de flash désespérément, mais Alling, sous boost de MS, viendra juste lui mettre un coup d'épée final. Mathias qui a la même peinture que Twix, et ses chaussures dépassaient dans les ronces. Ou peut-être qu'il avait les fameux tabis ninja de Shriek. Vous connaissez cette fameuse photo. Ou de Carnage aussi. Mais bon, bah pour l'instant... Et Spike, si elle est ventrée du coup pour ce Xin qui va franchement pouvoir faire la différence dès maintenant. Là, il est bille. Et il y a, avec ces deux kills récupérés pour Alling, ça a un peu gommé le retard pourtant de 30 CS qu'il avait face à Pride. Et on va renvoyer les deux top laners, mais cette fois-ci au bot, jouer les Void Grubs. Les trois précédents avaient été récupérés par Game Ward. On est en premier objectif pour Bekarog. On a récupéré la Priomide. On devrait avoir un fight entre les deux équipes. C'est fort probable. Mais Harry Terra est bloqué. Pas encore le niveau 6 hein, pour Antera, ça pourrait être un petit peu délicat ici. Et la position est pour les BKR. Et attention à ce Xin hein, qui a son premier item. Par contre, il va perdre énormément de points de vie. Ça turn directement sur lui. Il n'aura pas vraiment le temps de sustain. Le premier kill est récupéré par Onsamni. Et les Grubs s'offrent au BKR. Il n'y aura pas de... 4 grubs ou plus pour les Game Wards, c'est une très très bonne opération. Ah, ils ont pas hésité une seule seconde. Avec les un snowball qui se met en place. Mais là, la menace numéro 1 a été très vite supprimée. Oh, attention, chez Colab qui prend les devants sur la mid lane face à la bot lane adverse. Il les arrache, il zone en 1v3 ici. Est-ce qu'il va être puni par Peng qui trouve un charme? Il a pas d'ulti pour Peng, il y a encore un flash pour Checo. Et Checo qui devrait s'en sortir sans rien claquer. Ah, c'est pas normal, là il est en, on va dire, 1v2, 1v3. Il arrive à prendre un kill en détente sans même flasher. Beaucoup d'erreurs sont faites du côté des Game Ward. Et là les BKR, on peut le dire, ont clairement fait le break. Là ils ont la vision sur la map. Leur premier spike d'item qui a accéléré après ses bons plays. Ils ont deny les grubs adversaires. Ils ont un Wei qui a encore fait un bon play et qui a maintenant 1300 gold d'avance. Azway à 12 minutes de jeu. Ah, les autres kills sont sur le Aatrox et la Ziri. Pour l'instant, bah tout se passe merveilleusement bien pour les BKR. Ouais, ouais, complètement. Et par rapport au fight aux Grubs, ils ont vu BKROG qu'ils avaient la prio mid, la prio top. Et ils n'ont pas attendu que les Game Wards se regroupent. Ils y sont allés instantanément. Ils ont tout claqué et ça leur a donné l'avantage. Ils auraient attendu un tout petit peu, je pense qu'ils étaient dans le dur. Alors, et voilà, petit bout de replay, on voyait le solo kill, 1v2. Par contre, ce fait check, il va être catastrophique du côté de Checola, dont on chantait les louanges. Ah, c'est dommage, hein. Shutdown sur Nautilus, par contre. Mais les Game Wards qui récupèrent un dragon. Et du coup, côté BKR, on a ni le stacking de Drake, ni le stacking de Grubs. On peut aussi noter dans cette game qu'il y a un Jinx en hyper carry qui joue Gathering Storm. Mathias joue Gathering Storm. Voilà, il y a toujours l'option scaling qui est là pour les Game Wards qui sont seulement 1000 gold de retard. Franchement, ce play leur fait beaucoup de bien. Prendre le shutdown, plus prendre le Drake, bien que ce soit sur le Nautilus, c'est tout de même un bon moment pour temporiser parce que là, ils sont censés ne pas fight et pouvoir rien faire. Regardez le stuff de la Harry. Honnêtement, à ce stade-là de la game, t'es pas censé faire grand-chose avec ça. Ah, si Checo fait check pas, avec l'Uden statique déjà terminé, effectivement, tu l'as dit, on voit les stuff de Peng et Mathias. C'était injouable comme fight. Ça aurait été encore mieux pour Game Ward, bien sûr, hein, sur la Jinx, hein, pour la remettre un peu plus dans la game, parce que la Jinx elle est quand même un peu en retard. Mais on prend côté Game Ward, il n'y a pas un énorme écart au gold. C'est encore parfaitement jouable. Tout à fait. Et attention à ce cas santé. Il commence à grandir discrètement. Il a son farming. Il n'est pas particulièrement en retard niveau XP, loin de là.
et il vient de récupérer son gantelet givrant. Revenu sur le bot side avec de l'armure, il peut s'en sortir un petit peu, gagner du temps. On repart au top hein, du côté de Mathias. Il n'y a plus grand chose du côté de Checo, il a plus de flash Checo, la défense arrive, Checo devrait tomber, mais est-ce qu'on peut en faire quelque chose à Meganes Rocket qui va mettre quand même un peu de dégâts? Relay qui est low mais décide d'y retourner. Et on arrive à temporiser pour Sixi tout de même, il va réussir à trade kill. 2-2 sur cette action. Olin qui ramasse 4-0 maintenant pour ce Aatrox. Checolade qui tombe certes mais qui a réussi à mettre tous ses dégâts avant de partir. Sachant qu'il joue Luden bot du sorcier. Il a fait d'énormes dégâts dans ce fight. Et Olin a juste eu à clean up. Oling avec son red buff face à Pride, attention Pride, avantage de l'item complété. Avec la Bramble aussi, c'est normalement pour le quart ouais. Santé. Avec évidemment un flash out de Oling. Ah il a pas encore fait son bac, hein. Je pense qu'il a pas mal de gold en stock Oling. Et le fait chier qu'il coûte un petit peu. Ah le premier flash est pas si mal, mais Peng a bien attendu pour injuster. Et les dégâts de Wei sur 3 joueurs paquets. Effectivement. Ah, il a eu le temps de jeter une petite grenade avant de quitter la faille. Il a fait énormément de dégâts chez Colad. Il fait une bonne game honnêtement moi, malgré ce fait qu'il soit fait catch autour du tribush. Il fait un bon travail. Il a bien lane aussi. Et ça y est, Hydre Profane récupéré par Rolling. On reste sur le build du moment pour ce Aatrox. Ouf. Il fait très très peur là ce Aatrox hein. Ce qui est vraiment sympa pour les BKR, c'est que ils ont une avance en gold sur tous les carries. Ils vont avoir le spike de Zitem bien avant leur adversaire normalement. Alors que les golds sont sur le jungle sub malheureusement pour les Game Ward. Bon, c'est sympa sur un Xin, sur un Nautilus un peu moins. Je préférerais avoir ça sur ta Jinx, un Jinx qui n'a toujours pas son premier item à 16 minutes. Ça commence à être un peu rude. Attends, je viens de voir une dinguerie. Je suis choqué. La Jinx est level 9, la Zeri est niveau 12. Oh, j'avais pas vu. Bon, il va passer niveau 10, mais quand même. C'est fou. Deux niveaux de retard. Après, c'est aussi parce que Hans Samedi est resté très très longtemps en 1 contre 1. Ouais. Là, oh, ils étaient en 2v2 au top. Hein. Il y a des raisons énormément à cela. Bah, en prise à la nature, mais on force juste la garde circulaire sur Zixi. Jamais qu'il y a des roquettes qui arrivent après la teuf. C'était plus censé viser Checolade au cas où le fight continuait. Mais oui, ça fait une très. C'est entre ça et les 1500 gold d'avance, ça fait une très grosse différence entre les carries. Tout à fait. Cette Zeri push très très vite avec ses items. Parce que commence à pressurer la tourelle, pourrait même la prendre devant Mathias ici. Parce que quand on regarde l'XP sur les autres lanes, Howling est pas en retard par rapport à Pride. Il y a un petit peu de retard au niveau du support, mais en vrai, tout le monde s'en tamponne. Je suis surpris que Samedi ait pas pris cette tourelle. Parce que les creeps ont mis de sacrés dégâts. Quand même 3 grubs. Une auto de plus, ça tombera bientôt. Mais ouais, c'est vrai, tu l'as dit, ben avec ce sera des briefs, je pense, au niveau du desk, mais il s'en est passé des choses en early. Faudra revenir dessus. Ça a eu pas mal d'impact sur la partie. Hein. Je les voyais beaucoup plus mal s'en sortir, les Bekarog. Ouais. Faut dire qu'il y a eu les petits kills récupérés pour Oling, qui ont fait une très très grosse différence. Oling qui vaut son petit pesant d'argent, hein. Ce qui est très sympa parce que c'était lui au début qui était un petit peu privé de gold et d'XP, du moins plus que le cas santé dans toutes ces histoires de swap. On va jouer le héros de la faille sur le top side. 3 contre 3, mais on va le laisser pendant qu'on ouvre la mid lane du côté de Bekarog. Si on peut juste éviter la deuxième charge pour Bekarog. Ils ont vu la première tourelle au top à. Je crois 0,5 secondes près par rapport à Zeri au mid. Donc, il y a eu tout de même un petit pactole de récupérer. Je suis pas sûr que ce héros de la charge. Bon, c'est juste pour se repositionner pour Zixi. Effectivement. On avait pas trop d'espoir de le faire charger. Dragon infernal de up. Petit regroupement BKR ici, très bon catch de Antera. Le Xin Zhao qui va encore une fois se faire one burst alors que c'est lui qui est censé carry pour son équipe avec son avance. Et je sais très pas, bon catch. Je sais pas à qui la faute chez Game Ward, ça fait deux fois que ça arrive, une fois devant les héros de la faille, une fois là devant le dragon, où Zixi se présente en premier, sauf que le reste de l'équipe est pas encore en position, donc soit l'équipe doit être là avant, soit Zixi doit attendre un tout petit peu.
Oui. Mais là, Peng est encore en train de revenir, alors que tous les joueurs Bekarog, ils avaient déjà posé la vision, ils étaient déjà stackés dans la river, ils avaient déjà récupéré la Priomide. Donc ben, c'est une offrande qu'il aurait faite. Tout à fait. Oh, l'Azeri qui arrive, et l'Azeri est plus haut niveau que le top laner adverse. Est-ce que Rilek va pouvoir attraper ce cas santé? Il semblerait que oui, le flash in directement, le bump vers sa team avec Aatrox qui déploie les ailes pour essayer de se rapprocher, mais Kassante Gaming possède plus d'un tour dans son sac. Il est trop déçu, Rilek. En plus, il joue pas mal, c'est-à-dire qu'il arrive, il met son flash, son route, il sait que ça va pas être facile, il met son bump pile à la sortie de l'anti-CC. C'est non, il restait encore un ulti pour Pride. C'est dommage. Ils ont investi pas mal là-dessus, mais la vague est poussée, la tourelle est récupérée. Et ils ont pris le Drake juste avant, donc tout va bien. Mais on sent... Parce que je trouve quand même que les Game Awards font, bon, il faut le dire, de grosses erreurs cette game. Et le snowball des BKR est pas si énorme que ça. Quand on regarde les golds d'avance ou le fait qu'ils aient un dragon d'avance, pas de grubs d'avance. Par rapport à la line-up, mais bon, comme vu bah, juste avant, notamment dans le pré-show, c'est une équipe qui a eu... quelques soucis dernièrement, on sent que la confiance n'est pas au max pour cette équipe. Et là, les Game Wars qui sont sur une journée sans, on va dire, ils ont vraiment surpris à certains moments. Ça va, leur performance varie beaucoup d'une partie à l'autre. Malheureusement, pour l'instant, c'est un petit peu délicat. Ce sont les BKR qui mènent la charge une fois de plus. Santera qui va essayer d'attraper la Harry, qui forcera son ulti, c'est déjà pas mal. Et du coup, le contrôle du top side va être repris par les Game Wars. C'est peut-être au niveau du Nashor qu'il y aura une porte de sortie pour eux. En tout cas, il faut que cette Jinx ait plus d'objets. Elle a un item complet d'avance, cette Jinx. Un item complet de retard, pardon. Après, il y a le Gathering Storm, il y a un minimum de scaling pour Mathias. Hein. Il a aussi la cleanse qui se calme mieux en faille. Mais bon, il faut des items dans tous les cas. Ah, je suis d'accord avec toi parce que. Alors, il y a le Xin hein, qui est bien, mais quand on regarde les staffs, même au mid, on a deux objets complétés. On a pour un Sandy deux objets plus un troisième qui est en route. On vient de terminer le voile de la nuit du côté d'Oling, donc là si on fight dans ces conditions, il y a quand même beaucoup plus de gold dans les stuffs de Bekarog qui ont été dépensés. Et Game Ward doit être un petit peu patient et être un tout petit peu plus propre dans ses prises de fight d'objectifs. Voilà. Si on peut mieux accompagner Zixi ou si Zixi peut être un peu plus patient. Et pas encore les Game Ward. Téléportation, le Aatrox est en train d'arriver. Attention, le Aatrox est un monstre. Et le flanking est pas mauvais du tout. On se repositionne du côté d'Ormstandy. Le Aatrox qui va complètement se faire one shot. Il s'est pris tous les contrôles du Nautilus. C'est pas mal du tout ce que sont en train de faire les Game Ward qui vont sécuriser de King et l'ulti. Oh, en milieu de Chekola sur Peng. Mais on arrive à partir un petit peu. Il reste encore des carrés. Rilek fait le travail à Ormstandy avec sa Ziri qui est juste derrière. Et on arrive à s'en sortir pour Bekarog. C'était très mal engagé. Mais quel charme! Charme, on vient cueillir Chekola dans plein milieu de la jungle. Ça fait beaucoup de bien pour Game Ward tout ça. Je vais le dire, quelqu'un doit le dire. Ce fight était relativement low. Ah, ça commence avec une tentative d'engage ici, le call. Iskantera doit sortir et de turn directement sur Kassante, mais Kassante bien plus endurant que le Aatrox, c'est même lui qui va le ramener vers ses coéquipiers, ça c'était bien joué. Premier shutdown de récupérer. Ah, au final, ce fight est très bon pour les Game Ward hein, parce qu'il y a eu le big shutdown du Aatrox en série de kills qui a été récupéré par Mathias. Chekola, malheureusement, qui s'est offert ici. Ils avaient envie de clean up, hein, les barres de points de vie étaient basses. Mais au final, c'est un move très délicat pour les BKR parce que non seulement ça permet aux Game Ward de gagner du temps sur un timing où ils sont censés être plus faibles. Sur un fight où notamment les BKR étaient à l'initiative, mais en plus de ça, vraiment la Jinx récupère un gros shutdown. Ah oui. Et elle a maintenant deux items ennemis. Bientôt le Dominique. Oh, Peng. Ah, il a encore un stack d'ulti. Bientôt un charme. Il y a Antera qui vient que tout ça. Bon, il est mort, Peng. Il va essayer de se retourner pour trade kill et il ne pourra rien faire. Mais le fight d'avant, au début, je me disais, ah, peut-être que c'est dommage que Pride ait eu Alling et pas en samedi. Mais derrière, il y a eu tous les contrôles de Steelback. Bon, là, c'est du hint un peu désespéré. Hein. Les Pyro Mashers ont été envoyés beaucoup trop tôt. Il y a Wei qui va pouvoir envoyer des nukes. Rilek, faut qu'il accède au pit. Il a pas son flash, il lui manque 5 secondes sur le flash. Il va tout de même réussir à accéder au pit. C'est récupéré par le Xin Zhao. Mais derrière, c'est un fight qui démarre pour les BKR qui devraient clean up tout ça sans problème. En samedi, free DPS là-dessus. Déjà un double kill de récupérer, le reste va être pris en chasse. Wake essaye de cancel les bacs. Est-ce que Mathias va pouvoir back? Non! Très bien sorti par Ansandi. Il n'y aura pas un baron! Le kill final récupéré sur Steelback, c'est un ace.
Ils n'auront pas un seul buff baron. Pourquoi? Pourquoi? C'est pourquoi Game One n'avait absolument pas besoin de faire ça. Ils viennent de prendre un beau coup dans la jungle. Ils n'avaient pas un gros retard de gold. Je vais dire là, ça s'est bien passé pour les Game One. Parce que regardez, Rilek, il est tout juste en range de smite. Et puis, il était à 5 secondes d'avoir son flash. Donc, ça restait un 50-50. Que là, Becker aurait pu aussi avoir le Nashor en plus. Ouais, bah les creeps donnent la vision, donc il n'y a pas de bac pour Mathieu. Ouais. Ils auront rien sauvé. Ils n'avaient pas du tout besoin de tenter ça. Pas du tout, du tout, du tout. Et les kills vont en plus aux bonnes personnes. Ce pick Zeri, décidément, questionné un petit peu en draft, mais qui a bien été mis en place avec toutes ces histoires de swap, bien piloté par Rand Samedi. Maintenant en 5-0, vers le quatrième item. Et troisième dragon récupéré à 25 minutes pour les BKR en plus. Ça partirait sur une petite âme infernale à base de 3 dragons infernaux, donc ça snowball. T'étais effrayé, Marex, mais niveau 16 contre niveau 13 maintenant. C'est vrai, enfin, c'est dur. En rôle d'Adekari, c'est quelque chose qu'on voit très rarement. Après, c'est pas forcément dû à Mathias, mais plus à BKR, comment ils ont joué en Samy. En fait, il a 2 items de plus que ses solo laners. Il a 12 CS minutes aussi. Je sais pas. Vraiment, il défie toutes les statistiques. Ah, c'est énorme. Bah, c'est Hans. Hein. Bah, c'est aussi un peu ce qui. Alors, est-ce qu'on a un fight? Attention à Peng. C'est bon, qui va s'en sortir. Bah, aussi, les victoires de Bekarog étaient passées par un Hans Samedi absolument incroyable, notamment sur la première semaine. Je me souviens, des balles de Jinky one shot, enfin, des stats absolument incroyables. La semaine dernière, ça s'est moins bien passé. Du côté de Hans, ça s'est senti. La Hans est de retour. Bekarog slay. J'ai l'impression que dans la game, il n'a pas été inquiété une seule fois de voir réellement utiliser ses sums ou autre. Mais tu l'as dit, c'est full slaying pour Hans Samedi. Alors est-ce qu'on désire vraiment passer sur cette T2 sans Baron Nashor? On va zoner avec un ulti Maokai. Essayer de se retourner. Jolie tentative dans Terra. Bluff de X-Flash dans l'autre direction. Mais voilà, il n'y a pas grand chose à faire. Et le fait qu'il mette 2 niveaux à son midlaner, c'est... Après, il se démarque souvent en défiant un petit peu les stats en samedi. Hein. C'est dans la LFL, c'est l'un des joueurs qui brille le plus vis-à-vis des stats et résultats de son équipe. Je pense que c'est... Slash Peng. Ouais. Slash Peng. Mais c'est oui. Même pas du flame ou quoi. Hein. Le joueur arrive... C'est, parce que c'est d'autant plus difficile de vraiment se démarquer et performe en tant que joueur quand t'as pas une équipe qui roule sur la ligue. C'est pas parce qu'on dit qu'un joueur est excellent que ses coéquipiers sont des bouses. Voilà, et c'est ce qu'on dit. Oui. Et le joueur est excellent. BKR a clairement le potentiel d'être dans le top. Hein. Ils ont déjà fait quelques games références dans le dernier split. Mais bon, la LFL est très compétitive. Niveau 17, ça avance. Fleur de crit pour Chocolade, les grosses pailles commencent à arriver. Avec Wei qui devrait aussi se rapprocher de son niveau 16. Tout comme le Aatrox. Les BKR sont en bonne position. Ils attendent ce quatrième dragon notamment. Mais attention à cette Jinx tout de même qui joue Gathering Storm, qui a 3 items. Voilà, s'il y a une glissade de BKR, que la game dure encore 5-10 minutes et que la Jinx a 4 items, y a ça match, peut devenir dangereux. Ah, je suis d'accord, il y a match. Et si on arrive à avoir 3ème objet pour Zixie, ce fight, il est contestable par les Game Ward. Bon, pour l'instant, ils se font un peu zoner sous leur tour, mais de l'autre côté de la carte, c'est Peng qui est en solo speed push pour essayer d'aller sécuriser une T2. Le Aatrox est en train de revenir un peu en catastrophe. Je sais pas s'il aura le temps de la sécuriser, Peng. Je pense pas qu'il ait trop peur de Howling. Pire, il trade ulti là-dessus, y'a rien pendant une 30. C'est ça, même pas besoin. Même pas besoin. Luciole, c'est bien joué, bien gratté. Ça rapporte beaucoup de gold, hein. Ça peut même honnêtement permettre d'avoir son spike Rabadon s'il le souhaite avant le moment de la partie où les dés seront vraiment jetés. Hein. Parce que là, on se rapproche d'un Nashor autour de 30 minutes, d'un quatrième dragon potentiel pour les BKR. Il faut être au max. Il faudrait qu'ils arrivent à repush Game Ward, prendre de la vision. Là, on voit tout ce qui est autour du dragon. S'il n'y a aucune information, il n'y en a pas. Il n'y a pas une seule ward Game Ward après la rivière. Donc il faut réussir à reprendre un peu de priorité, à repousser un petit peu. On peut le faire, hein. Il y a une Jinx.
Là ça cleanse, peut y avoir un peu de prise de risque. Il s'est fait chase depuis la T2 adverse à la sienne. Peng gardera son flash, le pressing de Howling. Ça c'est un très très bon pressing parce que il push plus ou moins la wave top en même temps, cancel le mid adverse jusqu'à la mort. Et du coup ça fait que maintenant les Bekkar vont avoir un contrôle global sur la carte quand même très agréable. Et 30 secondes, Dragon. Il a son Rabadon grâce à ce push de tourelle top, et franchement ça donne un petit peu d'espoir au game world. Niveau 16 Rabadon sur Harry, ils en avaient besoin, sinon ils ont pas assez de dégâts tout simplement au global. Ouais, il y a une bonne front hein, du côté de Pride aussi, le Rukan qui a été finalisé sur son dernier back. Attention en samedi tout de même, 4 items ennemis, mais il a pas le luxe d'avoir une cleanse. Niveau 18, barrière, flash certes, mais il n'y a pas de cleanse. Il est quasiment capé, il finit niveau son 18, dernier objet. Et... un ADC niveau 18 à Stamina, ça n'est quasiment jamais arrivé dans l'histoire compétitive, et je ne troll pas. C'est assez rare. La téléportation de flank, Howling qui n'a pas été vu, qui peut aller chercher Peng notamment. Ok, il va trouver tellement de dégâts sur Mathias. Mathias n'a pas bougé. Peng se fait complètement focus. Quel flanking extraordinaire de Howling. Et tous les gamers sont obligés de fuir. On va prendre tellement de choses pour Bekkarog. Ah là, je soupçonne Howling qu'il y ait des ailes qui soient sorties de son dos IRL aussi. Hein, sur ce move, personnellement. Il les a démodifiés. Juste respect à lui. Play giga clutch. Parce qu'en plus, et oui, il y a quelque chose en plus dans cette histoire, c'est que c'est lui qui avait pris un petit peu la pression au top et tout, qui avait fait perdre du temps à ses adversaires pour que sa team mette de la vision deep bot side. Et du coup, il s'en est lui servi juste derrière avec cette TP sur la pink. Oh là là, et puis là, le tellement bien joué. Le sweet spot à travers. En plus, mécaniquement, il est très très juste sur ses décisions là à travers le mur. Non, il n'y a rien à dire. C'est vraiment parfait. Excellent play, ça permet de récupérer la soul, ça permet de récupérer le Nash normalement. Bah, il a détruit la fin de game. Voilà, avec ce flank, il a détruit la fin de game. Et il a pas l'air d'avoir terminé ici. Noah, il repart et prend son premier reset. Peut-être un deuxième sur Peng, personne ne l'arrête, il sustain. Il déploie les ailes une fois de plus et récupère un kill. Oh, on pourrait essayer de quasiment terminer la game sur ce move. On va foncer récupérer la vague au top, on va push au mid, cette T2 n'existera plus dans quelques secondes. Howling est scandaleux. Et les dégâts qu'il a calés sur deux fights. Et on ne peut rien faire côté Game Ward. Il y a une transition toute préparée par Ansamdi sur le top side. Zeri Split qui fonctionne bien, 400 CS en samedi. Son dernier item l'attend à la base. Pas sûr qu'il ait le temps de recall. Après, forcer pour finir ici, ça semble un petit peu dur. Parce que là, les Game Ward ont quand même l'option, s'ils jouent bien, de tenir leur troisième inhib et jouer la game un peu plus tard au niveau de l'Elder Mash. Mais bon, il va très vite falloir courir bot. Pas pour supprimer cette wave là, mais celle d'après. Le problème c'est que Antera est bien au courant qu'il doit aller la buff. C'est important en vrai là de récupérer la wave d'après si Peng le peut. Enfin, il aura tout juste le temps. Parce qu'en termes de Nashor, les Bekkar auront une wave à buff, je dirais, sur la bot lane. Après il reste 1 minute 30, c'est quand même beaucoup. Mais ça va, il a eu cette wave, c'est très bien. Il faut gagner du temps hein, pour avoir la chance de s'offrir un fight. Sur les prochains objectifs. Et ça va être dur. Hein. Ça va être dur pour les gamers parce que là en face, c'est une Zeri full stuff contre une Jinx qui a 3 items. Là, les Bekkar vont peut-être tout simplement forcer hein, avec la wave mid que Howling est en train d'accompagner. Et ils ont tellement de dégâts là, à ce moment-là de la game. Heureusement pour Game World, il n'y a pas de Rabadon qui arrive sur Jekyll, mais quand tu penses qu'il y a l'âme infernale, je me disais, mais comment on peut faire autant de dégâts? J'avais oublié qu'il y a une âme infernale qui était sécurisée entre temps. Ah ouais, en alors plus. Forcément, quand tu prends un sweet spot de Howling, un grand coup d'hydrovorace, tu le sens passer. Il leur reste 45 secondes. Si cette wave là est clear, ça peut peut-être tenir. Champagne qui essaie de trouver un catch sur Antera ici. Ils vont pas tenir très longtemps. Et encore 30 secondes, c'est beaucoup, 30 secondes. Et la wave au top c'est stacké hein. Il y a double super creep sur la wave top. Howling en position de flank, là ça va peut-être démarrer.
Ouais. Antera va peut-être se chauffer avec un flash in all-ling en position de flank sur le côté, ça y va directement. Antera qui rentre dedans all-ling en position de flank, il va sur les carrières adverses, il prend énormément de dégâts, mais il tient pas avec son Aatrox et régénère toute la vie du monde, double kill. Récupéré par all-ling, ça sent la fin de game, quoique les carry game wars sont encore en vie, mais comment aller chercher les stats sur les champions de BKR. Thaïs essaye de clear, mais il n'y a pas grand chose. Hamdi qui va essayer d'aller chercher juste devant la fontaine. Oh. Et les dégâts monstrueux de Hamdi, ce sera une victoire de BKROG. Eh bien, convaincante. Alors, il s'est passé beaucoup de choses en early game, mais passé ça, les BKROG étaient impeccables, les prises de teamfight. Hamdi, jamais dérangé, all-in monstrueux. C'est vrai que le dernier tiers de la partie, je trouve, a été assez bien joué par les BKR. Ils ont pris leur temps, mais ont fait les choses relativement bien au niveau des setups de fight, des vagues, des objectifs. Là, on a vu que les Game Wars pouvaient rien faire. Par contre, ouais, la première moitié de partie, il y a eu des erreurs de chaque côté. Mais en tout cas, les BKR se rassurent. Les Game Wars qui ont des performances un peu en dents de scie aujourd'hui, c'était pas vraiment la bonne journée, mais bon, c'est une super week. Il reste deux games demain et après-demain. Et les Game Wars ne sont pas du tout décrochés au niveau du tableau, car tout est très serré en tout cas. Très belle perf de Holling et de Hansamdi aussi. Enfin, toute l'équipe a relativement bien joué, honnêtement. Je peux le dire, on a vu le Aatrox de Kingen, champion du monde ce matin. Je l'ai vu passer dans le chat. Qui a flash dans un mur. Il était moins bon que celui de Holling. Okay. Voilà. Enfin, je ne dis rien. C'est des facts et vous les avez eus sous les yeux. Mais on va parler de cette game et on va en parler en plateau d'analyse du côté de Twix. Twix, c'est à toi. Bah merci messieurs, on espère que vous êtes régalés. Victoire des BKROG donc qui mettent fin à leur série de défaites qui commence à être inquiétante, qu'on avait mentionné en pré-show. Les voilà de retour du côté du Nexus qui survit. Débrief donc avec Shriek et Tréton. Et bien entendu, on va parler des deux joueurs sud-coréens de chez BKROG parce que les deux ont été fabuleux. Qu'on parle de all-ing qui subit donc cette situation de swap lane et devient le diable incarné en late game, ou qu'on parle de Hamdi qui, on ne sait pas comment, trouve de l'expérience pour mettre 4 niveaux aux joueurs adverses. Enfin, c'était fou, vraiment, c'était fou. Ouais, ils ont vraiment très très bien joué leur swap. Le grand gagnant dans un premier temps, c'est quand même Hamdi qui, en effet, en termes d'XP et de ressources individuelles, s'est mis juste beaucoup beaucoup trop bien. Après, ça a commencé par un petit whoopsie de Antera contre Cassante, qui aurait pu mettre un petit peu dans le mal. Bon, il pète juste ton flash, ça va. Mais derrière, les BKR sont super bien adaptés au swap lane. Il y a ce premier sang qui est récupéré. On a eu quand même un petit peu de défense côté Game Ward, Zixi notamment, avec son Xin Zhao a sonné quelquefois la révolte. Mais la Jinx n'a pas du tout été activée, loin de là, ce qui était quand même le but, je pense, du swap lane. Et à partir de là, du coup, c'est difficile pour Game Ward de jouer la game, tout simplement. Difficile, surtout quand tu te prends El Diablo. Dans le dos. Là, c'était le move de Zixi quand il s'énerve, qui a le backup juste à côté. Effectivement, bon, les Game Wards, et puis bon, ils n'étaient pas non plus totalement décrochés. Là, on est encore dans le timing BKROG, mais ils ont eu un bon rebond quand même, les Game Wards. Alors oui, mais quand on regarde un peu cette game, j'ai l'impression que tous les escarmouches sont à l'avantage de BKROG et qui sont bien plus travaillés, bien plus... tout est mieux contrôlé par BKROG. Game Ward, c'est plus d'équipe désespérée. Tu sentais pas qu'il y avait une chance de gagner, malheureusement. La vision était toujours à l'avantage de BKROG. Là, il y a une bonne Ward TP qui arrive, mais finalement, on va juste aller vers l'avant. Je trouve que quand tu regardes la game, j'ai pas trop compris où était le weak side pour BKROG, parce que Howling revient, il a Tommy des teamfights. Hamdi est plus haut level de toute la game. Checolade arrive à faire du 1 contre 2 contre la botlane de Game Ward, tu vois. Donc, j'avais l'impression que il pouvait jouer partout, à tout instant, et c'était pas comme ça que ça devrait se passer. Donc oui, Game Ward a quand même tenté des choses, mais j'ai pas réellement senti le match. Genre. Ouais. Bon, là, on s'est quand même arrêté sur un flash check bien généreux de oui. Checo. Il y a eu un baron d'achat de récup. Effectivement, bon, l'objectif est là, mais l'issue, elle est toujours rouge. En fait, ils ont pas pu du tout catch Hamdi quasiment de la game. Ils ont eu un H, mais c'est tout, quoi. Ils ont pas. T'avais ce qu'il fallait pour le catch, tu penses? Ils ont Nautilus. Justement, j'étais en train de voir un petit peu. En vrai, c'est dur, mais normalement, avec Nautilus Harry, tu peux. Mais leur gros problème, c'est que ce soit Medium, que ce soit ADC, ils sont passés relativement derrière en gold assez vite. Du coup, c'était un petit peu plus difficile pour eux de jouer. Après, peut-être s'il y avait eu encore plus d'items, peut-être que Mathias aurait pu rentrer dans cette game. Mais on voit ici le très très bon boulot de Baker qui a bien contrôlé avec un Relic aussi qui... T'as dit Baker?
Non, Becker. Il a bégayé. J'ai entendu Becker, j'étais en mode le code master de Smash. Il n'y a pas un moment où Game War passe devant avec une composition à base de Xin. Ah, il n'y a pas un point bleu entre la 20 et la 25 là? Non. Non, non. Mais c'était pas ridicule Game World, mais juste Becker contrôlait plus la game et l'avance qu'ils ont pris très vite sur leur carry a fait juste trop mal. Totalement. Une bonne conclusion. Alors on va recevoir dans quelques instants non pas Checolade messieurs mais Antera. Apparemment Checolade ne se sentirait pas bien. On va lui demander des nouvelles bien sûr à Antera. Je sais pas si c'est parce qu'il voyait que c'était toi à l'interview Shriek. Je ne te ferai pas un tel compliment. Je suis tellement terriblement déçu. Je demanderai à Antera qu'est-ce qui se passe parce que j'ai besoin de savoir pourquoi Checolade n'est pas là, s'il est vraiment malade ou pas. Ouais bien sûr. Alors, en tout cas on vous a donné les MVP bien sûr sur Twitter. On a bien sûr mis Ansamdi et Owling. Et Triton, t'as choisi qui en dernier? Au final, Antera, je crois. Antera. Je sais même plus. Tellement les deux Coréens sont au-dessus. Ouais. Dans cette game-là, soit j'ai mis Antera, soit j'ai mis Relex, parce que j'ai pas mis Checo juste pour le fait check, et encore, il aurait pu le mériter. Mais je pense que ces trois autres joueurs sont plus au même niveau. Et après, là, y a, dans cette game en tout cas, il y avait vraiment Owling et Ansamdi qui se démarquaient. Ça va, Shrek. Je me moque de ces trucs comme ça. Il est là, Antera? Non, il est pas là pour l'instant. Moi, je parle avec Clément, c'est normal. C'est un signe d'éloquence. Entrepreneur de... Et de manque de confiance en soi. Je crois pas à la deuxième partie. Je l'ai peut-être inventé. Bah, mais non, mais écoute, je suis curieux de parler un petit peu avec Antera aussi, de voir comment ça se passe avec Ansamdi, s'il sent qu'il passe un cap avec moi lui ou non. Moi, je suis curieux, mais il est pas là. Il est pas là. Ouais, mais quand tu vas arriver, on va pouvoir lui en parler tranquille. Tu peux juste poser des questions tant qu'il est pas là, quoi. Bah, je pose pas une question. Tu fais du meublage, quoi. Ouais. Bah, exactement. Et vous m'aidez pas. Vous m'aidez vraiment pas. Non, aujourd'hui, j'ai pas envie de meubler. Ok. On est dans la merde si personne ne meuble par contre. Donc, on sait au moins pourquoi ça marche pas si c'est du côté on peut blâmer quelqu'un, que ce soit la régie ou que ce... Non, j'ai pas d'infos. Sinon, on se ramène. Marek, c'est la trentinette? Enfin, c'est. Non, ouais. On va vite se faire chier. Les gars, faut vraiment faire quelque chose. Je trouve ça change en vrai. C'est moi qui est en train d'essayer d'être professionnel. Je trouve que. Est-ce que c'est vraiment professionnel que de parler pour rien dire? C'est oui. L'aspect du meublage, quoi. Moi, je crois pas. The show must go on, tu vois. Est-ce que c'est vraiment professionnel de parler pour rien dire des banalités comme ça, juste pour occuper de la place dans le cerveau des gens qui ont passé toute leur journée à taf et qui en ont déjà plein le cul, qui est des gens qui leur parlent pour rien dire, finalement. On enterra, mesdames et messieurs, qui nous rejoint sur le plateau. Jules, nous entends-tu? Bonsoir. Ouais, salut. Oh, j'ai cru que Carnage m'avait prank. Ça va comment ça va? Bah écoute, ça va très bien, et vous? Écoute, on va assez bien, on t'a attendu, voilà, on patientait tranquillement. Félicitations pour la victoire ce soir. Bien sûr, vous arrivez à mettre fin à la série de défaites qui vous avait frappé, mais comme on a discuté entre nous, vous avez joué cassé, vous avez joué BDSA, donc des matchs tendus bien sûr, mais au niveau de TDS, on était inquiets en vous regardant aujourd'hui, on savait pas trop à quoi s'attendre. C'était comment de votre côté? Ouais, on a eu pas mal de doutes forcément, 0-2 week après avoir perdu contre TDS où on a throw la game. Donc ouais, pas mal de remises en question, mais on a eu des bons résultats en scrim cette semaine et on a un peu changé la structure au niveau de la draft. On a fait quelques ajustements parce qu'on pensait que c'était nécessaire et et voilà, donc on a practice comme ça et ouais, la semaine s'est bien déroulée, donc on était confiants. Ah, vous êtes arrivé énervé hein, dans ce match. Bon, il y a quelques petites sauvageries à gauche et à droite. voilà, il y a eu du Nashor, il y a eu du face check de Checo et tout. C'est vrai, surtout pour lui. Hein. Je pense qu'il y a du débrief, à faire. Hein. Bien entendu, on est d'accord là-dessus, mais vous êtes arrivé comme des machines de guerre. Avant que je donne la parole à mes acolytes, on est ravis de t'avoir, bien sûr. Mais comme on avait demandé à Checo de venir et qu'on nous a dit qu'il n'allait pas bien, on voulait juste prendre de ses nouvelles et de vos nouvelles. Est-ce que c'est vrai? Ouais, il a juste mal dormi, on a eu un petit problème, on a été réveillés tous vers un peu avant 9h ce matin, et bon, 9h pour les gamers, vous savez. Ouais. Là, c'est tôt, ouais. Et vous êtes des gamers c'est sportifs tôt, bon. En plus de il ça. Il fuit l'interview ou quoi? Non, je te jure, on a vraiment mal dormi, et du coup, on m'a envoyé au charbon. envoyé au charbon, comment ça? Au charbon, parce qu'il y a Shriek, et Shriek, il a des questions. Exactement. J'en avais pour Checolade et tout ça pour la game contre Gassé, mais maintenant je vais devoir me contenter juste de cette game vis-à-vis du champion de pool support, parce qu'on a vu que c'était Nautilus, Leona et Rel un peu les champions qui sont un peu redondants. On parlait juste avant, est-ce qu'il allait avoir un shift de méta avec l'arrivée possiblement de Karma plus tard et le retour de Renata? Est-ce que toi ça te va de rester dans ces champions un peu agressifs comme on voit au Corée, du style vraiment go in tout ça, ou est-ce que le back to enchanteur ça te conviendrait mieux? Déjà pour commencer, Karma, je pense
le champion, peu importe, à part si vraiment il se refait buff, mais je pense que le champion est fake anyway, honnêtement. Après, Renata, c'est toujours un bon champ, bien drafté, hein, un bon angle de Renata, même s'il est, même si le champion était un peu en retrait, moi j'étais, enfin, si vous regardez, je l'ai joué 3-4 fois, je crois, ce split, déjà. Donc non, Renata, c'est pas un souci. Après, c'est un peu l'ordre des drafts, il y a pas mal de carry jungle, donc carry jungle, ça demande souvent un supporter engage, ça va bien ensemble. Et puis ouais, pas mal d'hyper carry en AD, donc il faut bien une source d'engage quelque part, et mais voilà, ça va sur le rôle de support. Hein. C'est comme en ça. Parlant d'hyper carry en AD, en samedi, je fais vraiment quasiment que des performances XXL, même dans la défaite en règle générale depuis Summer Split. D'ailleurs, il va prendre le MVP cette game avec cette game de Zeri. Toi, d'un point de vue intérieur, comment tu vois le joueur? Est-ce que tu le vois vraiment une grosse progression par rapport au Spring? Et à quel point vous êtes fort, tu penses, en 2v2? À quel point vous êtes au maximum de vos capacités? Déjà, cette game, on a bien pu 2v2, c'était cool. Mais bizarre. Plus sérieusement, je pense que déjà au Spring, il était vraiment excellent. Le BO contre Gentleman, c'était vraiment quelqu'un. Et en termes de 2v2, on a pu voir. On a plus ou moins match la botlane cassée, même si on a perdu la game. Enfin, contre les botlanes, on a aucun souci à tenir la lane. Et je pense qu'on se sent bien. Puis, on practice le 2v2 à côté en dehors des scrims, donc forcément ça booste la confiance. On a des partenaires d'autres équipes LFL avec qui on fait des 2v2, notamment la botlane Solari, et donc ouais, ça nous permet de practice et d'avancer comme il faut. Excellente nouvelle, on espère qu'il y a des 1v1 qui se font entre Oling et d'autres top laners, et quelques 1v1 aussi pour Tcheco, hein, parce que voilà, faut bosser, n'est-ce pas, Patrick? Ouais, ton mid laner me snipe tous les soirs. Des 1v1 au rayon sol, il faut balancer. Non, bien sûr, on charrie, mon cher Antera. On va te laisser le mot de la fin avant de passer à la game numéro 2. En tout cas, félicitations. Vous terminez, au passage, pour conclure, les matchs aller, donc avec un ratio positif, même s'il n'est pas à 90% de win rate, ça reste positif. Donc, félicitations. Eh bien, merci à tout le monde pour le soutien. J'avais dit que ça me prenait les streams, mais je ne l'ai pas encore fait. Mais soon sûrement, et voilà, on va essayer de faire une bonne phase de match retour et pour viser à faire mieux qu'au printemps en playoff, et j'aimerais vraiment pouvoir challenge KC et BDS notamment pour les matchs retour, parce qu'on avait gagné contre BDS et contre KC. Je crois qu'on n'a pas encore gagné en match de saison régulière, donc voilà, j'espère qu'on sera prêt pour ce moment là et voilà. On vous attend de pied ferme. Merci beaucoup, Antera, d'avoir pris le temps de nous répondre. Bonne préparation pour demain. Et bien sûr, comme c'est une super week, eh bien, bon courage pour tous les efforts que vous allez devoir produire. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'interview. Merci, merci. Bonne soirée. Salut, bonne soirée. Voilà, mesdames et messieurs, pas grand-chose à ajouter. Messieurs, non, c'est bon. Hein, Jules est toujours concis, clair, limpide. Il a juste dit que Tréton était totalement délusionnel vis-à-vis de Karma dans la soirée. Il a une opinion et on la respecte, bien sûr, une opinion de joueur professionnel. T'as une opinion. Que Karma Ezreal, c'est fort. Hein? Moi, je pense que Karma Ezreal sur le patch actuel, c'est fort. Je pense aussi que Karma Ezreal, c'est fort. Donc, on est deux. Mon avis est boosted. On est deux, donc on le latte, effectivement. Messieurs, il est temps de passer au match suivant. Cassé contre Aegis. Allez, vas-y, arrête. Tu l'avais pas, Tréton. J'ai tous les matchs de la soirée. Vas-y, troisième, vite. KC contre Aegis. Vite. Géo contre Solari. Encore. Mate contre BDS. Oui. Allez. Et du coup, il reste Vitality. Contre eux. Bah, je le trouverai en deux. Allez, mais spectacle, c'est le spectacle. Vitality contre. Allez, TDS. Oui, il l'a eu, mais pour l'instant, juste après la pause, mesdames et messieurs, c'est Aegis contre Kamin Corp Blue. À tout de suite.